When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and I vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I have many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one. But I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come. Bonsoir. Je parle pas trop fort pour pas que les nazis entendent. Ils sont juste derrière. Ils vont foutre la merde, en plus tu les connais. Ils ont aucun humour les mecs. Aucun quoi. Casse-toi toi. Ok d'accord. Carrément. On veut la musique. Ah bah finalement, ils ont réussi à y mettre trop de musique. Puis finalement, quand Russia n'y met plus de musique, Russia n'y met plus assez de musique. Dis donc. Putain, vous êtes jamais contents quoi, c'est pas possible. Ça vaut quoi? Est-ce que vous êtes remis d'hier soir? Enfin, est-ce que surtout on s'est remis d'hier soir? Je suis pas certain. Et encore, hier soir, il y avait pas l'alcool. Donc ça va, mais samedi prochain, ça va peut-être pas être la même limonade, comme on dit. Mais bon, bref, ce soir, du coup, on va se faire du Wolfenstein The New Order. On va continuer. Je sais pas trop, on est qu'au début du jeu. On venait d'arriver, je crois, au hub. Et on verra, du coup, après Wolfenstein, si jamais je finis un peu plus tôt, enfin, si je fais pas beaucoup de Wolfenstein et qu'on peut encore foutre un truc dans la soirée, peut-être que je ferai du Enter the Gungeon ou du Into the Breach. Je sais pas encore, mais peut-être du Enter the Gungeon, vu que ça fait un moment. Vous faites un truc IRL samedi. Non, pas IRL, non. Non, on va faire comme hier, mais un peu différent, quoi. Mais non, pas IRL, non. Mais ouais, donc peut-être que je vais faire un petit peu de Enter the Gungeon après Wolfenstein, mais c'est pas sûr. Enfin, ça dépend quand j'arrête. Bref, je vais lancer le jeu, tac, bim, on change d'écran, et bim. Oh. Est-ce que tu penses que je peux, du coup, recommencer le... C'est pas ça que j'avais niqué. La dernière fois, on était sur le hub et j'étais parti dormir, voir si on pouvait faire le truc Wolfenstein classique, mais j'avais merdé. Bonsoir. Si quelque chose vient de Londres, notez l'heure et un maximum de renseignements. Voici un stylo et une feuille. Je peux le faire à la machine ?
Vous savez vous en servir ? Oui. Marrant pour une polonaise. Mes parents m'ont appris. Bref, alors du coup, ouais, on était au hub et je sais plus trop ce qu'il faut foutre. Bonjour, bonsoir. Pas vraiment. Ok, donc en fait, elle parle, on s'en bat les couilles. C'est qui ça ? Bobby Bram. Bram ? Bobby Bram ? Non, mais Yerel, pour ceux qui étaient à côté. Ouais, non, c'est, on a rien prévu, donc... J'ai entendu dire que vous cherchiez le dossier du projet Murmure. Ah bon ? Il n'est pas là. Ok. Je t'emmerde. C'est... Oh la vache, c'est ultra bâtard, mais ok, c'est pas grave. S'il vous plaît. Bref. Donc attends, il faut trouver le dossier du projet Murmure. Le problème, c'est que j'avais, sans faire exprès, passé la cinématique d'avant. Du coup, j'ai aucune idée ce que c'est le projet Murmure. Je me souviens plus du tout. On sait pas ce qu'il faut faire. Qui c'est qui fait de la musique espagnole ? Solo voy con mi pena. Solo va mi condena. Ah non, c'est peut-être juste de la musique normale, alors. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Donc c'est lui qu'on a sauvé, c'est ça, la dernière fois ? Ouh, merci pour le resub ! Elda, ça fait super plaisir. Merci, mec. Alors, attends, il y avait un truc, là. Ah. Dans le juste retour des choses, nos amis de la résistance à Berlin suggéraient qu'un nouveau type de moisissure aurait commencé à infester les structures du Reich, faites de super béton. Voilà, donc c'est ce qu'on le béton, c'est ce qu'on parlait de la dernière fois, que leur super béton, quand il moisit, les gens chopent un genre de maladie d'urgence. Mais écoute, hein, comme dit l'article, c'est le juste retour de choses. C'est quoi ça? C'est un article chinois, hein, aucun sens. Et ça, c'est quoi? America surrenders. Ok, d'accord, on verra plus tard. Alors attends, je crois que sa voix me fait vraiment extrêmement beaucoup rire. Ah oui, donc il faut le pied de biche. On avait trouvé le pied de biche la dernière fois. Son doubleur me fait extrêmement rire parce que justement lui aussi murmure en permanence. Ah oui, non, on avait déjà vérifié qu'on pouvait pas faire pipi. Ok. Est-ce que je peux retourner juste vite faire le Wolfenstein classique là-bas là ? Comment on fait déjà ? Faut passer par là ? Ok. Je crois qu'il y avait le pied de biche dans le coin. Il était par là dans le pied de biche. Merde. Il était pas là le pied de biche ? Si, il est là-dedans. Ah oui, voilà. C'est ça, ok. Et du coup, je vais essayer de voir si je peux faire le truc de Wolfenstein. Mais cette fois-ci, je vais le faire correctement. Allez, let's go. T'avais chié le jeu rétro. Ah non, mais au-delà de ça, mec, c'était une catastrophe. Je rêve. D'étranges rêves. Yes. Les tueries ne s'arrêtent jamais. J'adore ce truc. Je trouve ça génial. Alors du coup, faut juste y aller plus lentement, voilà. On va faire à la stalker, on va rester... Voilà. Voilà, impeccable. Voilà. Comme ça me permet, tu vois, de me remettre un petit peu dans l'ambiance. Dans l'ambiance du tuage de nazi. Putain, même les réflexions de lumière sont en sprite. C'est génial. C'est super. Non, tu vois, je me suis même pas trop foiré. Alors par contre, je sais pas pourquoi j'ai trop lancé ça, parce que... Et je me paume juste en permanence, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste... je pense que je vais juste tourner en rond pendant un quart d'heure, en fait. Non, il faut juste bien que je me souvienne de la map. Et aidez-moi aussi à me retrouver, d'accord ? On fait comme ça ? En sprite sa mère. Ça, c'est du gros sprite sa mère, ouais. À peine texturé. C'est directement sur le modèle. Et en fait, quand j'étais gamin et que je jouais à Wolfenstein, je comprenais pas que ça, c'était le plafond. Je pensais, parce que vu qu'il y a aucune texture, aucun shader ni rien, je pensais juste que c'était ouvert et qu'il y avait genre un énorme ciel tout gris, et je trouvais que c'était vraiment super flippant. Et c'est pour ça que j'y jouais pas beaucoup. Notamment parce que aussi j'arrêtais pas de me paumer. Parce que c'est des labyrinthes, on est d'accord, hein. Par contre, c'est marrant, j'ai l'impression qu'ils gueulent pas Shoot Staffel et Mein Lieber. Ou alors, je sais pas, j'entends pas depuis tout à l'heure. Je pensais comme Russienne quand j'avais 5 ans. Bah oui, hein. Avec les bons vieux Hitler à l'ancienne en pixel art. C'est les premiers à avoir fait Hitler en pixel art. Il y a des lampes dessus. Oui, mais je sais pas, les lampes, je trouvais que ça rajoutait pas au fait qu'on aurait dit un plafond. Je croyais vraiment que c'était du ciel gris, quoi. Shoot Staffel. Ah, waouh. Voilà. Impeccable. Ils aiment bien rajouter des sections d'anciens jeux comme ça dans leur dernier jeu, Bethesda. Ils avaient fait pareil avec Doom 2016. Enfin, je veux dire, enfin, même les vieux, tous les gars qui font des trucs un peu old school. Ils avaient fait pareil pour Doom 2016, où les endroits cachés que tu trouvais, c'était des vieux niveaux, des vieux bouts de niveaux de Doom classique. Et c'était super stylé. Je me perds moins sur Wolf 3D que sur Doom. Sérieux ? Ah putain, mais tellement pas moi, quoi.
Là, je saurais, je pense pas retourner au début là. Hein. C'est par là, mais vite fait quoi. Franchement, je suis pas du tout confiant en mes capacités de repérage quoi. Il y a des puits en intérieur. Normal, ça c'est quoi? C'est une petite flaque. Ok. Doom, le labyrinthe vertical et horizontal. Ah non, Doom, c'est pas un labyrinthe vertical, Doom, c'est pas possible. C'est littéralement impossible d'avoir un labyrinthe vertical sur Doom. Mais vraiment, genre, techniquement, en fait. On est passé par ici? Non. Alarme! Merde, oh là 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 là, putain, qu'est-ce qu'on prend comme dégâts? Vraiment mal codé, ce putain de jeu, hein. Ok, waouh, ok. Je sais plus s'il est long, en fait, le rêve. Albtraum. Albtraum. Oh là 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 là, putain, mais qu'est-ce qu'on prend comme dégâts? C'est dingue. Je prends plus de dégâts dans le rêve que IRL. Enfin, IRL. IRL dans le jeu, quoi. C'est je commence à confondre les deux, je deviens fou, je pense. Ok, attends, pas par là, tout de suite. Je suis incapable de retrouver ma cuisine, ça doit jouer. Je vois, oui. Non mais franchement, j'ai vraiment pas confiance du tout en... Je sais pas si on va se retrouver, et en plus le problème c'est que là-dedans, si t'as pas de grenade ni rien, donc pour te suicider et retourner au monde normal, il faut absolument que tu trouves quelqu'un, mais pour peu que t'aies buté tout le monde et que tu te retrouves juste pas, et bah t'es condamné à errer jusqu'à ce que tu trouves la sortie en fait. C'est très... comment on dit, c'est très Black Mirror en fait. Oula, oula vache, oula vache. Ok. Attends, y a un nid là. Y a un nid de teuton là. Oh putain. Ok. Kafkaïen. Ouais, c'est très kafkaïen, ouais. Comme on dit, Proust annonce Kafka. Ok. Go. Ouais, non, c'est des petites blagues. Écoute, je m'échauffe, hein. Depuis hier soir, j'ai pas streamé, donc il faut que. J'ai tout dépensé hier soir, moi. Hein. En blague fine. J'ai soufflé du nez. J'aime pas les graphiques. Oh, Bascade. Pourtant, c'est du next-gen, hein, littéralement. Hein. D'ailleurs, oui, qu'est-ce que ça veut dire maintenant, les graphismes next-gen? Parce qu'avant, bon, c'était la PS3. Et maintenant, c'est quoi? C'est quoi notre frame de référence? Je viens de comprendre. Ouais, elle était un peu fine. Franchement, je saurais pas dire. Ouais, hein, c'est chelou, hein. Ouais, mais la 4K, ça veut rien dire, c'est juste une résolution. Je peux faire tourner Wolfenstein en 4K à 144Hz, hein. Ça pose pas de problème. Mais au niveau des graphismes en soi... Dire, tu vois, il n'y a plus vraiment... C'est flou, en fait, comme délimitation maintenant. La Commodore. La ZX Spectrum. Ok. Le photoréaliste, ouais, limite, mais bon... Mais on en parle... En fait, on en parle quasiment plus, en fait. C'est plus un mot qu'on utilise graphisme next-gen, en fait. C'est ça qui est marrant. C'est la fin? C'est fini? Je suis sorti? C'est bon? Je peux me réveiller? Ouh! Mec, j'ai réussi du premier coup, quoi. Dans ce stream. Oh là là. Regarde-moi ça. C'est bon. J'ai fait les FMV. Oh mec, j'aimerais bien un retour au FMV. Ce serait super stylé. C'est l'animation dans Love, Death and Robots. La next gen. Putain, ouais, carrément. Combien d'entre vous, là, sur le chat, ont maté entièrement Love, Death and Robots? En entier, tous les épisodes, sans en skip un seul. Parce que j'étais... Franchement, ça m'a fumé, quoi. L'anime... Skadur. Skadur. Laisse-moi passer, Skadur. Skadur, sois gentil. Sois gentil, Skadur. Skadur, reste tranquille. Pourquoi je m'en doutais? Skadur, tu veux jouer? On va jouer à la petite maison, Skadur? Skadur, qu'est-ce qu'on a, Skadur? Ouh! Je suis sûr que Pounz, elle a tout ça là, elle l'a chez elle, Pounz, là. Ça, tout ça, le mobile, tout, la petite dinette, le petit chien rigolo en bois, tout là, tout ça. Skadur, laisse-moi passer, Skadur. Skadur, t'as fait des super jolis dessins, Skadur. Regarde, on dirait qu'il a juste chié des pastels. C'est à force de les bouffer, faut que ça sorte derrière. Bon allez, Skadur, casse-toi un peu. Max bitte. Get zur Seite. Das Herr ist wichtig. Oh le pauvre, oh, l'allemand approximatif qui lui sort. Max bitte. Zusammen und vestige d'une grosse carburateur. Je sais pas parler allemand. J'ai pas de Skadur déjà chez moi.
Ah mais il faut juste être patient. Vous êtes jeune, faut pas désespérer. L'humour, c'est peut-être un peu prématuré. Ah voilà, le dossier des couilles. Coucou Russienne, coucou Adwim. C'est marrant, c'est bizarre, c'est la première fois que tu dis coucou Russienne quand tu viens sur un de mes streams. Peut-être aussi une des premières fois que tu viens sur un de mes streams, remarque, maintenant que j'y pense. Ah, une grosse carburateur. Est-ce qu'on... Vous me dites au niveau du son si c'est assez fort ou quoi. Vous entendez bien les coups de feu sur le cauchemar qu'on vient de faire dans Wolfenstein là? Parce que attends, du coup je veux voir un truc. Est-ce qu'on l'a le est-ce qu'on peut le lire Non, on peut pas lire le dossier machin là parce que je sais pas ce que je suis en train de foutre en fait là. Bonsoir. Et j'aime beaucoup Max Hoss dans le jeu. Il est adorable, je trouve. Bien, mon cher Blazkowicz. Est-ce que tu es prêt pour ta mission? Mon cher Polak. Une fois, ma prof d'espagnol m'a appelé chers le Polak. Amis, ça a chié, mais pendant tellement longtemps, quoi. Je me suis plaint à la vie scolaire et tout, mec. Hein. Après plusieurs années de travail, il s'agit d'un nouveau type d'hélicoptère. Les nazis ont trouvé le moyen de le faire voler sans bruit et aucun radar ne peut le détecter. Anya a décrypté les communications nazies à Londres et a établi que les trois seuls prototypes existants se trouvent au centre de recherche du London Nautica. Avec Blazkowicz dans nos rangs, nous sommes enfin en mesure de passer. Ça se prononce Blazkowicz. Nous ne serons plus obligés de fuir comme des rats. Lorsque ces machines seront en notre possession, nous pourrons aller n'importe où, frapper n'importe qui. Nous t'as fait ton SJW, ah ouais. Armez-vous en conséquence. Tu crois? Nous allons nous insurger et les éliminer une bonne fois pour toutes. Ouais, ça va être bien. Ils pensent que la guerre est finie. Ça va être bien, on va tuer tous les nazis d'un coup, t'inquiète. Il nous faut juste un hélicoptère. Nous opposer à eux. Et comme toujours, ils sont tort. Je dois me taper 14 heures de route. C'est qui lui? J'ai une infection des sinus. Oh, pauvre chouchou, il éternue un peu. Depuis au moins 8 mois. Alors mettez-y du vôtre. Parce mais t'es qui? Un sacré cran, Bobby Brown. Mais personne te connaît, mec. Personne n'a aucune idée de comment tu t'appelles. Casse-toi, retourne dormir. Déjà, bonjour, ouais, comme dit Dick Nick. Oula. Ah ouais, donc direct, quoi. Et je m'attendais à une espèce de petite cinématique road trip, mais... Allez là. Ouais, c'est ça. Ouais, dites-lui bonjour de notre part, ouais. C'est ça. Say hello to your Nazi boss. Papyrun, ouais, c'est le début de comment il s'appelle? Medal of Honor, débarquement allié, ouais. Cet affront à l'architecture, c'est le London Nautica. Cet affront à l'architecture, oh la vache. Oh l'extrémiste, comment on dit résistance était vraiment... Architecte. Medal of Honor, ouais, voilà. La vigie de Londres et tout est parti en vrille. Plus rien les Say hello to your Nazi boss. Alors ils ont rasé tous les putains de bâtiments pour bâtir cette putain de monstruosité. Langage, par contre? Ça, c'est un centre de recherche de pointe. Ils étudient l'aviation, l'aérospatiale... Et t'as vu, c'est oui, l'homme qui roulait le plus droit du monde. T'as vu ça? En fait, je crois que le volant, il tourne pas, il est pas fait pour tourner, en fait. Il faut juste qu'on porte la bagnole et qu'on la mette tout droit, ça suit un vecteur. En fait. C'est là que tu descends. D'accord. Ils vont me laisser rentrer si juste je dis bonjour? Adieu, Blazkowicz. Comment ça, adieu? Ah, les ongles... Je suis malade, je peux revenir à la maison. Ah, d'accord. C'est ça ton plan? Je vois. Oula, d'accord. Ah, mais quand il dit adieu, il déconne pas, en fait. Oh là là. Putain. Moi, je croyais qu'il disait adieu, genre, allez, bisous, tu vois, mais non, non. Bah, il a réussi, oui. Oui, je dirais de là. C'est quoi? Ah oui. Alors oui, j'ai mon laser pour couper les trucs. Environ 7 rues de là où tu es. Ok. Tu vas devoir accéder au dernier étage. J'aime pas. Est-ce que il m'a fait extrêmement peur en fait. Je vais vous admettre qu'il m'a fait extrêmement peur. C'est pas par là du coup? On va admettre que c'est pas par là, hein. Ok. Est-ce que c'est hello to your Nazi boss, s'il te plaît. Est-ce que je peux passer là, par contre? Bah...
Ah faut, non, faut courir, d'accord, faut faire une glissade, oui. Ok, ouais. Si merde. Ouais, parce qu'il arrive pas à ramper en fait. Je vois. Ah oui, alors on sort l'appareil à bite. On est d'accord, ça ne fonctionne qu'à ça. Et hop, la première bite du stream. Voilà. Et hop. On passe. J'adore. Ouh, mais casse tout. Ils sont les... Ouais. Mais les... Ouais, ouais. Les... Comment on dit les scripts, ils sont... Ah, énorme. Elle a... On voit plus rien. D'accord, d'accord. Donc ça va pas être par là, peut-être. Ok, allez, on speedrun. Voilà. Attends, je vais recommencer, du coup. On va faire une teubie, mais un peu chelou. Oula. Et du coup, je me fais forcément chlasser ici. Mais oui, en fait, je me fais forcément... Qu'est-ce que... Dans quelle optique? Je comprends pas ce qu'il faut faire, là. Je suis con ou c'est quoi? Faut s'approcher, reculer vite, c'est ça? Faut faire une esquive? Faut faire une petite feinte? Il a réussi, n'est-ce pas? Je vois rien. Presque 300 voilà. Kilos d'explosifs dans son corps. 300 kilos? 3 livres de pâte d'amande. Bon, par contre, par où je dois passer, moi? Est-ce qu'il... Cette rue? Est-ce qu'il faut que j'avance et que je recule? Comment veux-tu? Non, mais je vais me faire manger encore. Ok, bah c'est pas par là du coup, j'imagine. Là il est bloqué donc je repasse par l'autre côté. Ouh, d'accord, oui, finalement c'est plus ou moins un puzzle quoi. C'est plus ou moins un puzzle game. Wolfenstein, hein. C'est plus ou moins. Ouais, attends. C'est plus ou moins Ghost Trick. Quoi, je vais me faire manger, c'est ça? Je crois qu'il y a quelque chose derrière moi, non? J'entends le loup, le renard, mais surtout. Qu'est-ce que j'entends là? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, c'est lui qui fait du. D'accord. Faut que je trace par là? Bah non, merde, j'arrive là. Bah merde. Je suis con. quoi? Attends. La non-linéarité. La non-linéarité. Attends. Faut sauter par là? Dan Suzaman. Par là? Je peux même pas cramer le monde en fait. Ruru est perdu, mais moi tu me fous deux chemins déjà, je peux plus. Je suis en train de dépenser toutes mes munitions, c'est pas ça non plus. Bah merde, non mais c'est quelque chose que je vois pas ou quoi? Comment? C'est un monde ouvert. C'est plus ou moins Dwarf Fortress. Ah. Ah. Heureusement que le jeu il sait qu'on est con. Et allez, par contre il va me saouler longtemps lui ou quoi là? Attends. Cours Blasco. Voll la faken. D'accord, Sopek. Ja, voll mein Sopek. Ok. Bon, j'ai pas besoin de, on a pas trop besoin non plus de faire de la discrétion, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Ah oui, il a mangé Ouais, il a mangé pour tout le monde lui. Bip. Voilà. Signal interrompu. Il y a des gens, c'est vraiment moche ce qui vous arrive là. Hein. Ça va? Comment tu veux que j'appelle quelqu'un peut-être? Non, c'est bon. Ça a l'air de peser lourd sur tes épaules. Tout cette histoire de nazisme là. I'm your Venus. I'm your fire. Qu'est-ce qu'il fait? Mais non, mais qu'est-ce que tu faisais? Est-ce qu'il est en train de buter ses propres mecs là? Ah non, non. Ok. Le dôme lunaire? Bouge pas, attends. Il se sait poucoué. Mais non, il était en train de niquer un mec en dessus là. Quoi? De quoi vous parlez? De delta plane, de dôme lunaire? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est du code, c'est ça? Le code. Ils sont pas emmerdés pour le trouver celui-là. Ok, munitions. Ok, donc on fait péter les jumpscares, les bruits aigus qui font mal, d'accord, ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de bugger. Je me suis fait défibriller. Ouh, y a, je me cache. Ouh, là. Non, ouh. Ça explose ça? Non, à mon avis, non. Oui.
Ok. Grenade. Et on va derrière, c'est ça? C'est derrière le point faible? Ah mais oui, en fait, juste deux balles, ça suffit, en fait. Oula, oh, il se pisse dessus. Ouh, la vache. D'accord. Non, en fait, oui, c'est que dalle, en fait, comme bestiole, ça. Je pensais que c'était carrément plus compliqué que ça, mais non, deux balles dans le cul, il est mort. Franchement, faut qu'ils revoient leur construction. Je pensais que les nazis, on pouvait leur faire confiance au niveau du Sherman Engineering. T'assistat touch qualitat. Gastro-robotique, quoi, ouais, il a bégère de partout, le pauvre, en plus, il a bégère de la lave. C'est dégueulasse. C'est comme Skat quand on lui donne trop de fibres dans son régime alimentaire, dans ses croquettes. Salut, Pav. Ça va, mec? Quoi, tutut? Waouh, waouh. Encore un? Oula, attends. Va falloir bosser autrement, là. Il est où? Il est là. Hop. Ça, les cadeaux. Ensuite, on passe par là. Hop, 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 hop. Ça suffit ou pas? J'ai pas vu. C'est bon, ça suffit. Impeccable. Fusil à lunettes. Ah, bah si, on a un sniper, du coup. Je m'en souvenais plus du tout du sniper dans le jeu, hein. T'assistes à une grosse pissard. Ok. On va se calmer juste un peu parce que je prends beaucoup de dégâts. Oh là là. Heureusement qu'on s'est infiltré, hein, mine de rien. Même le Panzer, il se galère avec les missiles au cul. Ah, mais écoute, moi j'y connais rien dans tout ce qui est véhicule, hein. Dans tout ce qui est véhiculaire. Tain, ils sont blindés, ces cons de nazis, là. C'est la bratwurst, ça. Ok, ramasse tout, là. Willkommen. Je suis William Rue. Oh là là, en plus, il est en train de nous faire un truc à la John Hammond, là. Alors, attends. Impeccable. Il doit y avoir des secrets partout dans le coin. Je sais pas si je vais les chercher tout de suite maintenant. Sniper au cac, la nouvelle strat. D'ailleurs, est-ce qu'on peut le tester un peu, le sniper? Ah, il y avait une mitrailleuse lourde là-bas, si jamais on avait envie de jouer bien. Heureusement qu'on est à l'abri de ça. Les caisses entourées de jaune s'ouvrent. J'en ai loupé? Soy con? Tes souhaits. Merci. Désolé. Je vous ai éternué en plein visage. Je suis désolé. Ça s'ouvre, ça? Ah oui, non, ça s'ouvre avec le laser à la bite, là. Bah non. Bah non. Ah, faut les ouvrir avec les tourelles, c'est ça? Montage Russian Blazkowicz 360 Noscope Master. Ouais, comme ça, là, regarde. Ah, dans la tourelle. Voilà. Ok. Attends, j'ai dépensé des munitions de sniper qui, je pense, coûtent extrêmement cher. On s'en fout quand tu parles. Oui, c'est ça, dis bonjour à Hitler si t'as envie. Pas de problème. Faut l'améliorer, je crois. Améliorer qui? Ah oui, améliorer le petit laser là pour ouvrir les caisses, d'accord. C'est pas grave, on va utiliser la tourelle. Ça va marcher pareil. Bip, voilà. Voilà. Impeccable. Ah, ah, c'est vide. Trop marrant. Trop marrant. Excellent. Excellent, la vanne. Est-ce que je peux avoir juste une autre arme? Ouais, merci. Ah, mais j'ai un fusil à pompe aussi, remarque. Haha, excellent. Sniper, fusil à pompe. D'accord, ok, bon, bah écoute, impeccable. Et on a une route sélection rapide ou quoi? Enfin, oui, c'est ça, non? C'est comment? Mais j'aime pas ce type de sélection, là. J'aime pas la sélection à la molette, en fait. Je trouve que c'est vraiment, vraiment dégueulasse. C'est le truc qu'on a appris à éviter des conditions zéro, en fait. Enfin, même des 1.6. Pas pourquoi je dis condition 0. 1.6, déjà, on savait que c'était daubé du cul. Ils sont malins, ces Allemands, à foutre des caisses vides pour prank. Non, mais je pense qu'on est bon, là, du coup. Je peux me barrer. Ça, on va pas la prendre, parce que, de toute façon, il faut que je monte un truc. Donc, on va devoir la lâcher. Allez, on se casse. Tant qu'on a encore un peu d'armure, au cas où. C'est un flak portatif. Mais oui, clairement, hein. Déjà, quand tu tires avec le fusil de chasse, tu te rends compte que, oui, c'est un flak portatif, ouais. Scroll-moi toute la nuit. Écoute, Romtou, si tu veux, t'as qu'à m'inviter à un repas et puis on voit comment ça se passe. Mais là, pour l'instant, faut pas dire oui. Unboxing de caisse à la tourelle, la 8ème va vous surprendre. Allez, on lance le truc avec LMF. On voulait déjà faire des vidéos de recettes de cuisine et maintenant on va faire de l'unboxing avec du calibre lourd. De l'unboxing anti-char, on appelle. Cet endroit me rappelle quelque chose.
Attends, je me suis foiré ou qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un truc là. C'était pour fuir juste. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Là, on est d'accord, on peut pas passer. Ok. Ça, c'est pareil, c'est un genre de cache-misère. Mais il met du calibre 50 dans un colissimo, ça tourne mal. Ça, c'est pareil. Non, j'ai l'impression qu'en fait, c'est juste pour se... Oui, d'accord, c'est... Oh! Ah non, voilà, il y a un petit couteau en or, quand même. De la Wehrmacht. Il y a un petit couteau en or, comme on dit, de la jeunesse hitlérienne. Ce sera un couteau pour le Shabbat, maintenant. Référence. Ceux qui l'ont gagnent un sandwich. À la fraise. Un sandwich à la fraise. Y'a Fall! Attends, j'ai pas confiance. J'ai pas du tout confiance en ce qui va se passer là. Faut les bourriner pendant qu'on ouvre la porte. Ok, heureusement qu'ils sont en blouse. Ça protège mal la blouse, hein. Soldat Ryan. Balèze, Rome 2, balèze. Oh putain, par contre, la map elle est super stylée. Avec les power suits de Fallout qui font des saluts nazis. Mine de rien, ça rajoute un certain cachet quand même. FBI, open up. FBI, c'est très bon ça. Très très bonne référence. Joli le coin. Tu veux t'installer, Nick? Moi je veux bien, hein, mais c'est au niveau du voisinage, ça risque de chier. Lui il me tirait dessus à travers la truc, à travers le panneau. Il y a un manque de respect flagrant au sein du nazisme récemment, c'est dégueulasse. Ah, attends, c'est quoi? Der Mond. Ça veut dire la lune en allemand. Mond, Mond, ya, ya. C'est une chanson des Dick Heffer aussi. Attends, c'est qui me tire dessus là? I don't gesicht. Non, c'est pas du dur. Quoi? C'est lui là. Ok. C'est bon. Ça va, ils sont en blouse. Ouh! Ils sont en blouse. Casse-toi. Ok. On peut rentrer dans la lune ou pas? Je suis sûr qu'il y a un truc planqué dans la lune, mec. C'est quoi? Voilà. Terre monte. Monde, monde. Ya, ya. Du coup, armure assistée qui font des saluts, supérieure à Fallout, supérieure à Todd Howard et des nazis. Ah non, d'accord, t'es en train de faire un rapport équivalent, d'accord. Oui, Todd Howard et des nazis, mais ça, je pensais que c'était évident, déjà. Ah. On peut se casser derrière ou quoi, là? Ah non, c'est pas blindé, non, c'est pas blindé. Ok. Pourquoi ils ont pas d'armure, eux? Qu'est-ce que vous foutez? Leurs costumes sont rigolos. Bon, sans les balles dedans, je veux dire, ils sont marrants. Quoi encore? Oh là là. Ah, faudrait peut-être que je sorte le sniper, remarque. Donc tu veux vraiment pas prendre des balles, en fait. Voilà. Voilà. Il est pas mal, ce fils sniper, mine de rien. Il me fait penser à un M21, en fait. Il me fait penser même au M21 de... comment ça s'appelle? Killing Floor. Ouh la vache! Ouh la vache! Ah ouais! Ah oui, il est master shooter! Ah ouais, ouais, non, il est... C'est pour le coup, il déconne à moitié le truc, hein! Voilà, ça j'aime bien. Ça j'aime bien cette efficacité, ça. Je vais reprendre ça. C'est quoi? C'est quoi? C'est un fusil de chasse, ça? Ah oui, non, c'est un fusil à pompe, d'accord. C'est quoi encore? Attends, il y en a encore un là. Un truc qui. Ouh là là! Il y a un truc qui vole. Voilà, nique Tamras, voilà. Nique Tamras, Tamras. Il faut encore que je me délie un peu la langue, hein. Ah. Là, il y a un passage secret. Ok. On peut passer par là? On peut passer par là, oui. Un peu Ubermenschen dans l'espace. C'est là que le jeu, dans quelques niveaux d'ailleurs, que le jeu avait commencé vraiment à m'impressionner. Il m'a eu vraiment une claque. C'est quoi? Ouais, ok, on s'en fout. On va pas faire le circuit touristique, on n'a pas vraiment le temps. On va juste tous les bourriner. Oh là là, attends. Attends, je recharge et je reviens. Voilà. Oh là là, je vois que dalle. Ah, j'aime bien ce boulot. Oh là là, j'ai plus de vie. Donc c'est efficace, mais pas trop quand même. Et B, c'est là que les jeux vidéo font l'apologie du nazisme, surtout, bien sûr.
Ça a été prouvé que si tu prends le nom Todd Howard et que tu changes les lettres, ça fait Heil Hitler. Exact. Ouah. Putain, l'enculé, il m'a attendu, quoi. Voilà. Là, ça devrait être bon. Par contre, j'ai pris extrêmement cher. On peut le péter, ça? Putain, Ah. Oui. Je suis un peu lent dans ma tête, c'est pas grave. Je pensais que j'allais prendre des dégâts, j'ai eu beaucoup de chance. Ah, je suis déjà à 120 PV, en fait. Bon, bah, ça va, en fait. Ok. Ok, là, tombe par l'ins infernal. Ok. Allez, c'est parti, mini-jeu. Oh là là, je me fais bourriner. Ok. Oh, cette misère. Tu te fais bourriner sans aucune équivoque. Les mecs, ils sortent la tête, ils te foutent tout dans le cul. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire? Rien, à part crier. J'ai un très mauvais pressentiment. Putain, il a un mauvais pressentiment en allemand, en plus. Elle ment en allemand. Ah oui, il y a ça, exact. Hop. Ok. C'est quoi un contrepoids? C'est ça un contrepoids? Non? C'est quoi un contrepoids, les mecs? C'est un truc avec une autre corde dessus? Ça, c'est un contrepoids, ça? Ah oui. Oula. Oh. Par contre, à mon avis, je devrais dû m'écraser contre le plafond, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est la physique nazie, c'est pas grave. C'est ce qui contre le poids. D'accord, merci Pav. Heureusement que je t'ai, toi. Hein. J'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce que tu vois? D'anciens artefacts. Oula, il y a les petits freeze, je suis désolé, mais c'est le temps que le jeu cache son temps de chargement, en fait. Les nazis doivent essayer de comprendre comment fonctionnent ces trucs. C'est Blazkowicz, le contrepoids. Yishud, Delta Alpha apostrophe. Alpha Tango Espace Yankee India Charlie Hotel Uniforme Delta. Oh, quel homme. Quel homme, ce mec. T'as vu, il connaît tout l'alphabet, c'est à ça qu'on reconnaît un vrai homme. Papa Delta. Date Yishud, par contre. Est-ce qu'il faudrait pas revoir le nom prendre quelque chose de peut-être un peu moins... Enfin, un peu plus... Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est impeccable. Vergar. Ta gueule. Papa Tango Charlie. Le code, c'est l'hébreu. Aucun nazi le comprend. Oui, s'il le prononce, il brûle, en fait. C'est un peu comme quand je rentre dans une église. C'est, je commence à m'auto-combustifier. Combustifier. Et donc là, ils sont en train de tester les nouvelles armes d'Atishud. Leur iconographie et leur logo sont super bien bossés. Je trouve que c'est vachement crédible. Bon, bah ça, on connaît. Hein. Mais ça, surtout, genre... Je trouve que c'est vraiment super crédible. Netscable, tu te dis, tiens, j'ai besoin d'un câble pour le net. Et bah, c'est dans le tiroir à Netscable, tu vois. Ça, attends, tiens, je vais me remplir mon petit pistolet, moi. J'avais oublié d'ailleurs, oui, que c'était pas infini, ce truc-là. Voilà. Date Youpin. Oh, putain. Oh, tiens, je suis allergique. Ok, plan d'évacuation. Je crois que tu es dans une pièce qui ne figure pas sur le plan. La porte est renforcée par des boucliers. Ah, d'accord. Tu vas devoir trouver une autre issue. D'accord. Oui, madame. Franchement, ils ont un super infographiste. Et c'est important aussi dans un curriculum. Attends, peut-être activer ça avant. Bip. C'est pas super réussi, hein. Attends, ah, faut que je... Ah. Mais comment y accéder? Il va y avoir un moyen d'entrer. Oui, bah détends-toi deux minutes, on va trouver, calme-toi. Ah, ok. On peut tirer dessus? Non, faut les couper à la scie. Attends, eh. Comment on rentre? Comment je monte? Bah si, comme ça. Ah.
Je peux pas le couper ça, non. Attends. C'est pas. Non, on peut pas. Mais merde. Ah non, mais par là, oui. Mais Une énigme dans Wolfenstein direct remboursée sur Steam. Mais non, c'est pas une énigme en fait. Pour les gens normaux et intelligents, c'est facile. C'est juste que bah c'est moi qui joue quoi. Voilà. Ça. Et ça. Voilà, on a plus qu'à le refaire. Yes. Impeccable. Bon, par contre, ils essaient à quasiment niquer les Netscables, hein. Fais gaffe. Et donc du coup, oh là là. Voilà. Le mec, il a... Donc ça s'appelle le Laserkraftwerk. Ok. Laserkraftwerk. Et ça, maintenant... Non. Ça... Comment on fait? C'est... Voilà. Donc il y a le mode découpe, le mode railgun, en fait. C'est pas mal. Et ça, maintenant, on peut l'utiliser. Voilà. Là, ça marche. Je m'en passerai jamais. Il y a un petit réseau de plomberie. Petite tortue. Alors, recharge-moi tout là-dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut prendre encore ici, là, qu'on aurait oublié, là? Tu vas pouvoir faire des bits sur les murs. Eh ben oui, j'ai pas attendu ton aval, hein. Enfin, ton aval. Excusez-moi. Voilà. Pourquoi? Ok. Non, je pose pas de questions, c'est bon. Environ deux étages au-dessus. Il est où le contrepoids, là? C'est la merde. Je fais pareil? Bon, bah, je fais pareil, hein, mais... Tu rentres pas dans la bite? Non, je l'ai fait trop petite, la bite, pour le coup, là. J'espère que ça va pas trop descendre. Ah bah si. Faudrait peut-être que je pouvais rentrer dans l'ascenseur en fait. Peut-être que je pouvais rentrer dans... Pas trop rigolo. Merde. Deux étages en dessous, c'est l'abyss. Je vais voir le grand bleu. Est-ce que j'ai oublié des trucs ici, moi? Non. Bah, je voulais juste voir un truc, par contre, de l'autre côté de la pièce, on dirait qu'il y a des espèces de trucs où tu peux sauter dessus, là, non? Ça, tu vas pas me faire croire que c'est pas un genre de passage secret? Merde. Ça, je suis vraiment une grosse glandouille. Salut, Enculatrix. Ça va, poto? Est-ce que tu peux changer ton pseudo, par contre? Parce que le prononcer en permanence, Enculatrix, j'ai l'impression que ça va nous causer préjudice. Est-ce que tu penses qu'on peut passer par là? Non? Non, il y a que dalle là. Ouais, non, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est pas grave. C'est de la merde. On voit le mec qui a fait de l'école d'art, quoi. Je suis pas un bricolo, moi. Putain, ça passe pas. Là, c'est... Ah, putain, mais... Rentre ton vide un peu, Blasco, bordel de merde. Voilà. Et ça a fait une école d'art. Ouais, bah écoute. On change pas une équipe qui dessine, ok? Au moins maintenant je peux découper des trucs, c'est cool. Est-ce que je peux rentrer du coup dans cet ascenseur? Deux étages au-dessus, y a un accès. Ah, deux étages au-dessus! Ah putain, il y avait une échelle. Putain. Mais Russiane, réfléchis genre, même pas une minute, juste un tout petit peu plus, c'est tout ce qu'on te demande. Je fais ça juste pour foutre la merde, juste parce que j'aime bien. Ah, ça aussi ça s'ouvre, attends, on va voir après, ça, tu dois être tout prête. Voilà. Je veux juste voir ce que c'est, ça, là. L'âne trop. Pourquoi j'ai l'âne trop en tête? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais putain, hé. Hey. Ah, bah, yon. Ça marche beaucoup mieux, en effet. C'est quoi, ça? Ah, ça mène au-dessus du truc. Ok, flasque en or. Bah, parfait, tu vois, regarde. Avec un peu de... Avec un peu de recherche et de curiosité. Pourquoi je vois en flou? Pourquoi... Pourquoi j'ai vu en grain tout de suite, là?
Est-ce que j'ai jeté un couteau de lancer? Oui, voilà, ok. Je suis vraiment pas adapté à la guerre, en fait, j'ai l'impression. Hop, il m'en manquait juste un peu. Voilà. Ah, du premier coup, dis donc. Pour les premières fois. Toute première fois. Il y a juste une oreille qui passait pas dans le trou. Bip. Impeccable. Ah, je crois que je me souviens de cette... cette petite scène, là. De cette scénette. Va falloir juste que je trouve les connards avant. Vous saviez pas de robots géants. Faut juste que je trouve les deux connards avec leur qui peuvent déclencher les alertes là. Et ensuite on bourrine. Comme ça, ça va éviter trop de nous foutre dans la merde. C'en est un ça, non? Ça c'est un mec qui donne des alertes ça. Il a une tête à donner Go Echo AWP. Merde. J'ai tiré sans faire exprès. Ouais, lui il donne des alertes lui. Par contre il est où le deuxième? Il doit être de l'autre côté, je pense. Oula. Ouh, j'ai eu de l'achievement, là, mon gars. Voilà. Le bourrinage met dans l'ordre. Mais non, mais les gens, ils pensent que bourriner, c'est juste foncer dans le tas en hurlant. Mais non, il y a beaucoup de subtilité et de variabilité dans le bourrinage. Et les gens, ils préfèrent juste assumer direct que tous les bourrins sont des cons. Alors que j'ai envie de dire, pas forcément. Il y a plein de trucs qui font tout partout, là, j'aime pas trop mes chances. 16 mètres. Ah, il est là. Voilà, regarde. Eh, on est tranquille, là, maintenant. Tu vois, comme quoi? La bourriltration, c'est bien ce que tu dis, Zobek, parce que j'ai l'impression que ça... Est-ce qu'il me tire dessus? Oui, il me tire dessus. Bougez pas. Je m'occupe de vous, hein, mais... Ah, c'est marrant, ils saignent du rouge, enfin ils saignent du jaune. Donc si tu leur tires bien dans l'œil, ils peuvent rien foutre. Ouh là là! Ouh là là! Il les prend pas ses dégâts lui? Ah non, mais lui non plus en fait, il les prenait pas ses dégâts. Attends. Nice IA. Bonsoir. Ça marche ou pas? Pourquoi lui il saigne et l'autre il saigne pas? Je comprends pas. Peut-être pas le meilleur moyen. Ce qu'on va faire, on va y aller, voilà. On va prendre ça. Et ça, on va s'infiltrer un peu mieux. Oh, comment il court lentement avec les deux armes, mec. Ok, on va juste passer par là. Est-ce qu'il peut faire des glissades au moins? Ouais, il peut faire des toutes petites glissades. On va passer par là. On va s'infiltrer. Dans le coin. Petite grenade IEM. Dans la gueule. On passe derrière. Pip, boum, pip, pip, boum, pip. Voilà. Bourrinage. Tout en arabesque. J'appelle ça le bourrinage romanesque. Voilà, pareil. Même modus operandi. Bip. Et voilà. Je devrais faire des cours, je pense, sur le bourrinage. J'ai l'impression que ça peut rendre vraiment service à beaucoup de gens. Qui c'est qui me tire dessus encore, là? Ils sont bien vos effets de lumière, mais on voit que dalle. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui me tirent dessus, mais je les vois pas, je comprends pas. File-moi ça. Voilà. Où qui sont les cons? Attends. Est-ce que je peux... Ah non, je peux pas l'arracher, celle-là? Merde. Les intervenants, ce sera les expand deadbolts. Arrête, il y en a qui sont subtils, hein. Regarde, Ying Yang. Je te rappelle que le personnage de Jet Li dans Expandables, il s'appelle les Ying Yang. Et qui fait du karaté. Avec des poils à frire. C'est quoi? Ils sont où? Bon, alors, pour tirer précisément, c'est peut-être falloir d'autres cours, mais... Attends, mais là, il vient d'esquiver mes balles. J'y peux rien si l'autre, c'est un ganado. Ouh! Oh, il a perdu des bouts, lui. Ah. Voilà, impeccable. Il y a du master shooter. Ah. Les marquages sur la lunette, je kiffe. J'ai même pas fait gaffe. Il y a des marquages sur la lunette. Ah oui! Ocular. Thalbergwerker. Et c'est marrant, ça. Ils ont vraiment bien bossé, quand même, leur design, je trouve. C'est vachement crédible, en fait.
Et puis ce serait bien du genre des nazis de rajouter des écritures partout pour rappeler que c'est du matos nazi, quoi. Ils sont tellement fiers de leur marque, les mecs. Un peu comme Apple, en fait. Quelque part, les Apple, c'est un peu des nazis, en fait, si t'y réfléchis. Je suis sûr qu'il y a des mecs qui ont des brassards avec la pomme dessus. Est-ce que ce serait pas super, comment on dit, super subversif de faire ça? Des brassards avec la pomme. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais vous étiez où depuis tout à l'heure, vous? Qu'est-ce qui se passe? C'est des mecs qui spawnent ou... Enfin, ils arrivent à l'infini ou pas? J'arrive pas à me rendre compte. Copyright, Apfel. J'ai l'impression... Ils spawnent à l'infini? Je m'en rends pas compte. Ça, eux, ils posent pas trop de problèmes, mais... Ouh, merci, Ombrageur! Pour le resub prime, merci man. Je suis ça me plaît ce que tu fais, garçon. Alors attends, on va ouvrir ça du coup. Petit côté paquet cadeau. Faut que je fasse un peu vite par contre parce que j'ai plus beaucoup de laser. C'est quoi? Comment ça aux chiottes? Qui ça aux chiottes? Aux chiottes l'arbitre. Ça fait chier là, non? J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va faire chier. Qu'est-ce que c'est? Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ah oui, ça va faire chier ça! Ah oui! Oui, oui, oui! Ça me donne une envie de Rammstein. Das ist mein Land. Là, ça va Domo Arigato Mister Roboto. Quelque chose de sensé. Attends, je vais ouvrir celui-là vite fait. Il me tire dessus là, non? Ok. Donc lui, dans le genre humour, il se pose là. Ah, ça va piquer, ça. Est-ce que je peux le bourriner par derrière, lui aussi? Non, c'est pas ça que je cherchais, c'est ça. Ouh, 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 il m'a mis là, ce con. Je peux monter? Je peux pas monter, c'est la merde. Attends. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut peut-être réfléchir à ce qui nous arrive. Quelque part, peut-être qu'on est du même côté de la vérité, Jean-Michel robot nazi, là. Qu'est-ce que c'est, ça? Un truc qui vole, ok. Pousse, ouais, non, il y a besoin de pousse, là. Est-ce que je peux pas utiliser cette tourelle qui est là-bas? Je pense qu'elle va être bien orientée, celle-là, là. Hop. Ah, je pense que je vais crever, par contre. Bon, ça va, je suis pas mort, mais... Par contre, il me faudrait une grenade, en fait. Ça, ce serait bien. Ah, il y en avait une, là. Ok, j'en ai pris une. Impeccable, j'ai lancé un couteau de lancer dans la caisse sans faire exprès. Ok, je peux passer sous lui. C'est quoi, regarde, je vais reprendre mes fusils de chasse. On attend qu'il ait fini de tirer. On balance la grenade. Ça a fait effet, yes. Passe par derrière, il est en train de pisser. Mais j'ai pas tiré encore. Mais j'ai pas tiré. J'ai tout pété et j'ai récupéré. J'ai tout pété et j'ai récupéré les hélicos. J'ai tout pété. Ah, je l'aime bien, ce mec. Je l'aime bien, ce Blasco. Dans le premier épisode, il est bien. Il est loin de celui du deuxième. J'ai tout pété et j'ai récupéré les hélicos. Je vais pas m'en remettre. Je crois que je vais vraiment pas m'en remettre. Oui, mais attends, il y a beaucoup de denrées là. Il me faut des denrées là, ok? Donc tu vas me laisser récupérer mes... Merde, tu vas me laisser récupérer mes denrées. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, on peut pas le couper, ça. Ça non plus. Ah, ça. Pekeb. Non, mais je crois que de toute façon, je suis à moitié plein, là, non? Ouais, j'ai toute l'armure. Toute l'armure que j'aime. Et là, viens, du blues. Oula, d'accord. C'est pas mal, quand même, cette idée de les munitions qui traversent certains métaux. J'aime bien le truc, ça donne un côté vraiment immersif. D'accord. Mode automatique sur le Kraftwerk. T'assistes à une grosse ID de merde. Qu'est-ce que ça fait, le mode automatique? D'accord, ok. Bon bah écoute, j'ai tout pété, je suis allé à la cueillette et j'ai piqué un hélico. En plus, j'ai fait les courses, je suis allé garer la bagnole. Je vais juste remettre un petit peu d'énergie dans mon laser craftwerk et puis on se casse, ok? J'ai bien la mort définitive aussi.
Werden Sie Mondsoldat? Ah, ça veut dire soldat de la lune, ça. Werden Sie... Ouais, d'accord. Donc c'est des... ils engagent les gens à aller sur la lune, quelque part. Moi, j'irai pas. Hein. Moi, tu me proposes d'aller gratuitement dans l'espace? Je refuse. J'aime bien l'idée de l'espace. Genre le fait qu'il soit là, si tu veux, ça me dérange pas. mais d'y aller, franchement, je laisse ça aux autres. Il y a pas de problème. Hein. Je comprends les gens qui ont envie d'y aller. Je respecte aussi quelque part. Mais non merci. Non mais vraiment j'y tiens pas quoi. Je sens que c'est pas trop un endroit qui va être adapté à ce que. En plus, il y a pas la fibre. Donc voilà. Il y a aucun. Ils ont pas de knacky balls là-bas. J'en suis certain en plus. Et quand tu regardes les documentaires du genre The Martian ou qui Interstellar, documentaire relativement sérieux quand même. Ah, je suis où là? D'accord, ok. Non, si c'est bon. C'est bon, je suis en bonne route. Les posters sont vraiment super stylés. Oh la vache, ça c'est classe. Oh le logo. Le logo avec le vieux bombardier qu'ils utilisaient au début là, et ça c'est une... C'est quoi comme typo ça? Est-ce que ce serait pas... du Helvetica, non? On dirait... Ouais, je sais pas. Si, on dirait du Helvetica à moitié. Hein. Ouais, si... Non mais c'est ça, je suis... Stalker, on est d'accord, c'est du Helvetica ça. Donc maintenant, les nazis utilisent du Helvetica. Merleben, Besseleben, auf dem Mond. D'accord. Franchement, ça rajoute vraiment énormément à l'ambiance du truc. Mond café. Le café lunaire. Allez, on se casse. Quoi? Pourquoi j'ai eu le droit à un petit solo de batterie, là? C'était quoi le délire? Qu'est-ce qu'ils font, ces cons? Qu'est-ce qu'ils font, ces cons? Mais c'était le seul moyen de vous mettre en place. Non, mais mec, tu m'étonnes que ça avance pas, la résistance. Les mecs, les persos Far Cry qui se sont paumés. Les mecs, ils arrivent en putain de delta plane. Mais qu'est-ce que je fous là, moi? Il y a une petite musique qui s'est lancée, qu'est-ce qu'il fait? Attends. Qu'est-ce qu'il fait? T'as fait... Ah bah oui, merde, elle a pas de jambes, elle. Le con. Attends, faut que je descende. J'avais oublié qu'elle a plus de jambes, elle. Je me disais, tiens, c'est marrant, elle a... Il y a une partie de son équipement qui manque. Donc la meuf, sans jambes, elle a fait du delta plane, c'est pas mal. Allez. Je te bénou. Je mets ça où? Ouais, je vais la balancer là-dedans, on verra bien. Pas de pied, pas d'escalier. On va la balancer en vrac là et puis on verra si elle vole. Allez, fonce. Adolf nazi, Adolf dans les mains, Adolf à l'envers, Adolf sous l'eau. Comment t'as fait pour survivre? Je te croyais morte. Moi, ça me scie en deux. Les souvenirs sont flous, mais je me rappelle avoir cogné Hans Krause. Et d'avoir fuyé à travers le ciel. J'ai presque cru que j'arrivais au paradis. Et je suis tombée, j'avais mal. Attends, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Si mes entrailles me sortaient par la... Comment ça, j'ai cru que t'étais morte? J'étais paralysée, j'ai dû ramper. On m'a retrouvée dans un fossé au bout de 3 jours. Ensuite, j'ai passé de très longs mois dans un lit d'hôpital. On me plantait toutes sortes de tubes dans les veines. Attends, c'est qui? Une... Des choses dont je préfère ne pas. Attends, quoi? Attends, on est censé la connaître avant, je me souviens plus. Mais non, j'ai appris à voler. Non, mais attends! On peut en parler quand même? C'est quoi cette track d'Assassin's Creed? Ah, Max Ross, il est gentil, Max Ross. Oh là là, oh là 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 là. C'est approximatif, hein. Max Ross qui ferme et ouvre une porte d'à peu près 7 tonnes.
Voilà, et heureusement que c'est tous des... heureusement qu'ils ont tous des midi-chloriens dans le sang, parce que... De rousse pété. Voici notre nouvelle priorité. Que sont les dates, Yeshud? Comment peut-on les contacter? Anya, que savons-nous? Pas grand-chose, mais j'ai ma petite idée. Bien. Vas-y, Demetra, explique-nous comment parler aux Hébreux, Demetra. Tu vas l'aider à réunir tout ce dont elle a besoin, ya? Ouh, c'est à ça qu'on reconnaît qu'elle est allemande, elle dit ya des fois. William, j'ai besoin de toi. Ouais, super, alors attends. Ouais, mais j'ai d'autres trucs à foutre que de te parler déjà. Oh, Kaamelott, bah tiens, référence. Référence à Demetra. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter de lui parler? Y a pas un truc plus intéressant à faire là? Je pourrais faire encore un niveau de Wolfenstein, mais je vous ai déjà montré tout à l'heure, on va pas non plus tous les faire. Il est où Max Ross? Demetra, ben oui, la doubleuse de Anya, c'est Demetra. C'est la même actrice. On a vu ça le dernier. Pendant le dernier stream. Enfin, le premier stream. J'avais pas reconnu. Elle a une voix qui est extrêmement reconnaissable, mais une fois que tu le sais, tu l'oublies pas en fait. C'est quoi ça, ok? Y'a rien d'autre là que je peux choper avant d'aller lui parler à l'autre conne? Enfin, l'autre conne. Pour l'instant, elle est pas conne, c'est dans le deuxième qu'elle devient conne. Pile quand elle devient enceinte. Quand elle attrape un bébé. C'est Caroline Pascal. Ouais, Demetra, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est cool, ça? C'est une maquette? Non, qu'est-ce que c'est, ça? C'est censé être quoi? Est-ce que... C'est un lance-roquette? Non, on dirait qu'il y a du cuir, là. Non? Une fist machine? Une tourelle? Ah, mais tu rentres pas dans une tourelle comme ça, si? Ah non, attends, on dirait un truc pour nager, non? Un sous-marin, regarde, il y a un petit volant, là. À mon avis, tu rentres sous la bulle, en fait, et tu passes tes jambes par là. Ouais, non, mais c'est con. Bon, bah, je sais pas. Je sais pas. C'est une maquette. Bah non, on a dit que c'était un sous-marin. Allez, go. J'ai trouvé des pistes intéressantes. Ce parchemin explique comment fabriquer un super béton. Tu crois que c'est ce que les nazis ont utilisé pour construire toutes ces atrocités en béton? Oui. Tout. Non, non. Ils n'utilisent que ce type de béton. C'est pour cette raison qu'ils ont pu bâtir toutes ces villes aussi vite. Maintenant que l'origine de ce béton... Il n'y a pas une grosse scène de cul, là? ...échantillon pour l'étudier. Est-ce que tu pourrais chercher un morceau de béton sur lequel de la moisissure s'est développée? Si tu veux pouvoir prélever un échantillon, il faut qu'il soit bien poreux. Tout ce que tu voudras. Et au fait, il y avait une liste cryptée des membres de Dahat Yeshud qui étaient en Pologne pendant la guerre. Il y a Roman Polanski... Je voudrais la comparer avec le registre... Eric Newman... Et en particulier, entre les années 1939 et 1940... Pourquoi il s'est passé quoi à cette époque? Je m'en occupe tout de suite. Comment c'est pourquoi en particulier Randy Newman? You got a friend in me. Ça va niquer sec, mon gars. Da 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 da. Mets-lui ton gros dati chude. You got a friend in me. Ah non, il a juste fait un bisou, en fait. Bra bra. Get it, chats, 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 nego. Ok, faut trouver des bouts de béton. Des bouts de béton nuls. Dra dra dra, nego. C'est qui, elle? Tecla? Nicolas Tecla? Retourne niquer de la salope. Calme-toi, Yadar, détends-toi 2 minutes, quoi. Illustration débloquée, fais voir un petit peu les concepts. On vient pour le conceptif. Où est-ce qu'on voit toutes les collections d'artbooks? Ah d'accord, en fait, on peut... Bah non. Je suis désolé. On peut pas juste voir entièrement tout ce qu'on a débloqué? Non, bah non, bah tant pis. Allez, go. Gaining shots, 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 nego. Y'a pas des trucs qui vont m'attaquer ici d'ailleurs? Ça me rappelle quelque chose et je me disais c'était bizarre. Vu qu'on était dans notre espèce, bah dans notre camp à nous, enfin dans notre petit abri, tu vois, c'était bizarre de se faire attaquer là. Non, c'est peut-être plus tard, remarque. Ou c'est peut-être jamais. Ah! Ah mais oui, c'est dégueulasse en fait, le super béton. C'est con parce que l'idée est pas mal. Et vous devriez pas rester là parce que le béton il est la chiasse ici, les gars. Klaus Klotz. Mais qui ressemble tellement à tous les Allemands méchants dans les films. Il ressemble à Hugo Stiglitz en fait. Ah, Hugo. Il y a une ref à Fallout. Ah bah oui. Je pense qu'on l'a, la ref à Fallout. C'est ça, non?
l'énorme... Au début, je me suis dit, tiens, ça va être, tu sais, comme dans Doom, une petite étiquette sur une porte, un truc comme ça. Non. Ils sont un peu moins subtils, quand même. Très subtils, comme tu peux le remarquer, ouais. Vous avez une scie circulaire, Ouais, laissez-la par terre, c'est... Oula. Et voilà. Oh, le niveau des égouts, mon gars. Impeccable, et toi? Ouais, Max Ross. Et ça vous dirait pas juste de faire tomber une corde, par exemple? Ouais, mais enfin, vous pourriez, par exemple, juste m'envoyer une corde. Hein? Une corde. Parce qu'il y a plus personne, là. Klaus? Oh, putain de nazi à la con. J'en ai marre. Qu'est-ce que c'est ici, là? Ça se coupe, ça? Ça se coupe pas, en plus. Oh, fais chier. J'aime bien Klaus. Bah, moi aussi, au début, je l'aimais bien, mais là, il peut aller se faire foutre. C'est quoi? Ouh, c'est un élément d'amélioration, ça! Ouh, j'ai envie d'améliorer des trucs. Oh. Ouais. Mais c'est quoi, cette merde? Oh, super, des tourelles, eh. Oh, c'est génial. Les meilleurs ennemis du jeu dans le meilleur environnement de tous les jeux vidéo réunis. Des tourelles automatiques dans des égouts. Putain, j'ai à peine envie de crever, dis donc. Allez, je vous laisse buter les nazis et apporter la symbole de la liberté avec des teubis. Okay, bon, d'accord, merci beaucoup, pseudo. Je vais essayer, je vais faire mon maximum, d'ac. Ouh, c'est quoi? Oh, un vinyle. C'est quoi? Volksmusik. All Stars. Interprétation des traditionnellen Folkklassiken. House of the Rising Sun, d'accord, ok, ça c'est... Le fameux House of the Rising Sun que j'avais passé d'ailleurs à la fin du dernier stream. Ouais, c'est le meilleur, j'avoue que c'est le meilleur. C'est là-bas l'amélioration. Ouh, je me suis repéré du premier coup, t'as vu ça? LKW amélioré Ricochet, t'as vu, il l'appelle pas Laserkraftwerk. Laserkraftwerk. Il l'appelle pas comme ça en permanence, pourquoi j'ai fait ça? Pekab. J'ai hâte juste de débloquer le laser craftwerk illimité. Tout ce qui m'intéresse, moi. Oh, j'ai pas dit bonjour, du coup, bonjour. Bonjour, Lysander, ça va, mec? Impeccable. File-moi. Oh. 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 Ouh. Ouh, Mufasa. Ouh. Mufasa! Non, il a pas beaucoup de recul. Ou alors c'est juste que Blazkowicz est vraiment musclé de ouf, quoi. Et il est un peu weak, mine de rien, le fusil de chasse, non? Enfin, il est pas... voilà. C'est pas vraiment un super shotgun. Le shotgun de base du jeu est plus super shotgun que le super shotgun, hein, si je peux dire. Mais bon, en tout cas, il est super joli, et moi, c'est mon arme préférée, donc je vais la prendre, forcément, parce que j'ai pas le choix, mais... Ta gueule. Ouh. Est-ce que t'as vu ce damage boost? Par contre, il arrive combien des drones qui ne sont pas du tout des man-hack de Half-Life 2? Normal, c'est un flingue super nazi. Et super natif. Tu crois que je peux descendre là sans... T'as une grosse passage secrète? Attends, y a plein de trucs là, j'ai l'impression que ça c'est un passage secret, non? Je suis pas fou, c'est un passage secret ça. Ha! Qu'est-ce que c'est que ces patacouèques? J'ai trouvé quelque chose. Alors que d'habitude je me paume tout le temps, c'est qu'il y a un souci. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouais, mais Ouais, ça fait chier, quoi. Attends, j'ai pas fait ça que pour ça, quand même. Attends, j'ai loupé quelque chose, quand même, non? Ça, là. Non, ça, c'est du super bois. C'est le super bois qu'ils ont mis au point, les nazis, encore, là. Qu'est-ce qu'ils sont forts, ces cons de nazis, tu m'étonnes. T'as débloqué un raccourci.
Ouais, super. Il y a un verrou sur ton pompe, mais il sert à rien. Oui, d'ailleurs, c'est quoi ce verrou, là? C'est quand même pas pour... Bah non, ça sert à quoi, ce verrou à la con? Je saurais même pas dire, tu vois. Il y a aucune fonction... Je sais pas trop à quoi ça servirait, en plus, un verrou. Mais en plus, c'est juste un verrou vertical, je vois pas le... Si on recharge, y'a pas un truc? Non, ça sert à rien. Ce verrou ne sert à rien, j'ai l'impression. Attends. Non, il s'en sert même pas, il appuie même pas dessus. Il y a un autre truc, si je me souviens bien. Bah ouais, mais c'est quoi ça? Ça sert à rien. La sichnicht, rien du tout. Derrière, il y a quoi? Rien du tout. Bah non, bah il y a que dalle. Bon bah tant pis, on se casse, hein. Monde, yaya, hein. C'est juste stylisé, ouais, mais bon, écoute, c'est plus marrant que quand il y a vraiment un aspect utile et physique, un truc même stylisé, tu vois, mais là... Débloquer un atout, régénération rapide. Ah bah c'est fort gentil, c'est fort agréable. Merci beaucoup les nazis. Merci Guy, merci les nazis. Vraiment un design de nazi. Mais non, mais justement, ils sont un peu dans le... Le peu, mais le efficace, quoi, tu vois. Bande de connards, vous auriez pu juste m'envoyer une corde, quoi. Tant pis, ils ont rebouché juste derrière. Quelle bande de salopes. Je prends un bout de la base, hein, vous m'en voulez pas. Mais qu'est-ce que tu fabriques, pourtant? Une expérience. Tu fais peur à Max. Eh ben, il va se coucher, Max. On l'emmerde. Désolé, mon pote. Je savais pas qu'il craignait ça. Les six circulaires, non, ça va. Non. Enfin, si on veut... En fait, je n'en sais rien. C'est quoi l'histoire? Klaus avait un fils autrefois, qui était né durant la guerre, un miracle selon lui. Ils avaient essayé pendant des années d'avoir un enfant, sa famille. Oh, le loser. Ouais, quelle petite pite. Pour un nazi. Oh l'enculé. Pendant l'histoire tragique. Le mec, il peut pas saquer ça, le nazi, quoi. Et l'enfant aussi. Klaus n'a pas réussi à les protéger. Il se sent responsable. Oh, que... mec. Ah non, il lâche rien. Il lâche que dalle, Blazkowicz. Faut vraiment qu'il termine toutes ses phrases par ça, en fait, j'ai l'impression. Alors, par contre, en faisant un carré, ça fait pas tomber juste un bout comme ça, hein. Pas comme ça que ça marche, le physique. Max. La physique. Merci, va bien. Mais oui, va bien, c'est bon, oh là là. Pas parce qu'il a un petit pet au casque, quasiment littéralement en plus, que tout de suite il va pas bien. C'est quoi cette... bon... Dis-moi... Deine kleine robot ? Je l'ai perdu et retrouvé. J'adore. Cette narration, je la trouve génialissime, quoi. je suis sûr qu'en plus Blazkowicz il se trouve super classe, tu sais. Un jouet perdu, puis retrouvé. Quel gros gay ce mec. Je vais juste vérifier sur YouTube s'il y a des compiles où Blazkowicz il dit nazi. On peut la niquer là. C'est génial, William. J'ai aussi besoin des registres. Tu veux pas bouger juste ton cul, franchement. Max? Max Ross? Max Ross? Ah non, il est là. Casse-toi, toi. Qu'est-ce que tu fous? Amerikanische Trottel. Cette pute. Qu'est-ce que c'est? Il dessine mal, hein. Oh, il y a un truc derrière. Tu veux me sucer le pouce, Max? D'accord, faut leur trouver tous ces jouets. Bah tiens. Parce qu'on a que ça à foutre. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez qu'on récupère les jouets pour Max Ross? Ou est-ce que... est-ce qu'on passe à autre chose directement? Je sais même pas trop où ils sont, les trucs. Ce serait gentil, mais bon. On va aller voir au-dessus si on a. Ça sert à rien du tout. Franchement, je sais pas. Waouh! Heureusement que t'es là, hein. Y'a pas des petits jouets. S'ils sont faciles à trouver encore, on peut, tu vois, mais bon. Laisse le gogol tous. Oh les mecs, ils ont aucune pitié, quoi. Gogol. Mais c'est quoi ça? On peut pas le couper, ça? C'est bizarre.
bizarre. J'avais tous trouvé, ça rapporte rien, mais ça rapporte juste le plaisir de faire du... De faire plaisir, justement, un petit... Il va jouer avec une boule de papier. Ok, alors, voyons voir. Je vais quand même essayer de je vais faire un tour, voir si je peux en trouver un ou deux vite fait, tu vois. C'est quoi ça? Trouver la clé. Vous voulez clé, idiot. Fergus Reed était là tout à l'heure. Oh putain. Il a les clés. Alors toi, mon gars, là. T'as de la chance que je peux pas sortir mes doubles fusils de chasse ici. Qu'est-ce que tu fous? Faut faire la muscu? Allez. Ouais. La posture, elle est catastrophique par contre, hein. Droit, le dos. Je peux chier? Ah là, Russienne dans le trou. Ah, là, il y a un petit téléphone. Sympa ce jouet. Moi, j'avais une pomme de pain, des allumettes et une grenade Mills. Le vrai américain, quoi. Ok. Enlève-lui son frein de son fauteuil roulant juste pour déconner. Tu vas me faire croire que Blazkowicz il passe là-dessous là ? Non. Le mec il est beaucoup trop sec. Ah, il y a du super béton là. Super béton ! Je vois rien. Je vois littéralement rien. Attends. Je comprends pas. Attends. Ah là. Il y avait pas un truc là ? Ça c'est quoi ? Ah ! Keine Lust. Non, ça veut pas dire la lumière, mais... C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que... Pourquoi cette base est aussi grande? Je comprends pas l'intérêt. Putain, il a fait vraiment des cabanes partout, Maxos, par contre, hein. Il est balèze, le gamin. Ah, j'arrive là! Ah, c'est son petit passage secret! Ah, je comprends. Y'aurait pas un autre jouet dans le coin, là? Ah d'accord, c'est là que ça mène le petit d'accord, le petit trou qu'on a vu tout à l'heure, il mène ici, d'accord. Mais y a pas d'autre jouet là. Bleh. Histoire de rien oublier avant de passer, non? Bon bah tant pis. Deslicht. Je sais pas où est le il manque un camion de pompier, je crois. C'est ça qui est représenté, c'est un petit camion de pompier. Je sais pas où il est. Bon écoute, on va se casser. On va voir si on peut pas le trouver dans la salle des archives justement, parce que c'est ce qu'on a pas vu depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bon, bref, on se casse. Voilà. Pas mis sous le lit ou quelque chose. Ils font chier ces gosses aussi, là, avec leurs jouets partout, là. On se fait mal en marchant dessus la nuit. Qu'est-ce que c'est que toutes ces croix partout? J'avais pas vu qu'il y avait des croix littéralement partout aussi, là. C'est super flippant, à part le petit pipou, c'est vraiment super flippant ici, hein. Allez, cinématoche. Putain, j'ai plus à boire. J'ai besoin des clés des archives. Tu les as? Il est tout sec. Tout sec. Limite famélique. Merde. Tout va bien, Fergus? Ouais, impec. Vieux Blazkowicz. Je sais pas combien de temps je pourrais continuer. Ça va aller, t'inquiète, on tient encore la route. Ouais. Parle pour toi, poteau, t'as vu l'autre, là? Qu'est-ce qui t'arrive, Fergus? J'en sais rien. Rien de précis. Un peu tout. T'as genre dû sauver le gamin, toi. Gamin, merde. Le soldat Wyatt. Il devrait être ici. Mais ça fait 17 ans! Il était jeune, plein de potes. Tu vas me faire croire que t'y penses en boucle depuis 17 ans? Qui ont plus que leur volonté pour mettre un pied devant l'autre. J'ai fait le mauvais choix. Ça me paraît évident, non? Je croyais que j'allais y rester et je l'aurais fait sans hésiter. Je me suis cassé le cul pour sauver ce gamin, Blazkowicz. Toi, t'as caché mes efforts. Tiens, le soldat Prendergast. Oh le casse-couille! Il pouvait tout endurer. Mais il est mort. Mort comme tous les autres. Et toi, t'es coincé avec un squelette qui te sert à que dalle. Alors dis-moi, c'est quoi notre solution à long terme, hein? Moi, franchement, je veux juste la clé d'en bas, hein. Toi et moi, on sera devenus trop vieux pour tenir une arme. Enfin, dans le 2, j'ai 60 piges et pourtant, je défonce toujours des trucs, hein. Bon, il me faut une armure parce que je peux pas pisser tout seul, mais... Ah non, il remplace mon corps aussi, à un moment, c'est vrai. Une frite au cul, ça se casse la gueule. Fousille, une caisse. Calme-toi, va prendre une douche. Betreten, Boten, Lebensgefahr. Ok. Bah c'est super sympathique. Vraiment une ambiance de merde ici, hein. Il serait pas là ton petit camion de pompier là, genre tu l'as paumé dans ta chambre. Ça arrive tout le temps, moi ça m'arrivait tout le temps quand j'étais gamin.
Pampirenwagen, je sais pas où il est. Tant pis. Craque-lui le cou, ça va le calmer. On va le détendre. Comme dans Okutonoken. À un moment, Kenshiro, il fait je sais plus quel coup sur une gamine pour la détendre. Genre littéralement, elle pleure parce que ses parents viennent de se faire assassiner par des raiders, tu vois. Et il lui fait un petit... Et l'autre, ça la calme direct. Il serait pas ici, le petit camion de pompier, là? Yes! Attends, je vais lui ramener tout de suite. Maxos! J'ai trouvé tes jouets dans de gros cons, là. Tiens, prends ça ta gueule. Le petit téléphone, par contre, il déboîte, mec. Non, le petit robot, il déboîte. Max. Voilà. Voilà, c'est juste pour débloquer le modèle. Voilà. À part son nom et le fait qu'il déteste la violence. Klaus l'a trouvé caché derrière des bennes à ordures dans une ruelle et s'occupe de lui depuis. Loser. Ok. Ah, donc ça sert vraiment à rien, vous aviez raison en fait. Ça sert vraiment à que dalle. Alors. C'est bon maintenant, on peut retourner buter les nazis. Merci, William. Tiens, prends un bout de terre. C'est tout ce que j'ai. C'est quand qu'il nique ? T'en veux ? C'est bon. C'est à la cerise. Non. C'est bon, merci. Pédé. Le super béton. Gros game. Le matériau de construction préféré du Reich, qui s'inspire de la technologie de la date Yeshud. Presque parfait, mais il développe des moisissures au fil du temps. Quelqu'un a modifié sa composition, quelqu'un qui connaît ses secrets. En analysant l'échantillon, j'ai trouvé une trace d'un type de calcaire qu'on ne trouve que dans le nord de la Croatie. Maintenant, regardez. De quoi ? C'est quand qu'on la kienne ? De cette rosse. Dja. Dans les documents de la Dati Chud. Selon les registres officiels, il a été détenu en 41 dans le camp de Lodze, puis envoyé... Dans le camp de ? Attends, c'est écrit comment là ? Dans le nord de la... Ils font n'importe quoi les Croates avec leur alphabet, hein. Tiens, Michel, qu'est-ce qu'on fait pour avoir un alphabet un peu unique ? Fous des traits sur les L. Ok. Cette rosse. Cette Rogen. Eliroth. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'inconnus. C'est un homme âgé, il est peut-être même déjà mort. Ah, je me souviens de ce passage. Je me souviens de ce passage, dis donc. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pas le choix. Quelqu'un va devoir infiltrer le camp. Quelqu'un va devoir infiltrer le camp tout seul. Un volontaire. Bon bah. Et allez. Quel crétin. Et voilà. J'ai été arrogant. Et voilà. Personne n'est jamais prêt à vivre un truc pareil. Est-ce que c'est pas un peu exagéré? Au hasard, Blasco. Ouais, mais bon, forcément, tu lui donnes des trucs, elle a pas envie. Est-ce que quelque part, t'as pas cherché? C'est parti pour les blagues antisémites. Ah, j'ai rien dit, moi. Hein. J'ai rien dit. Hein. Bonsoir. 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 Il est chum, ton camp de vacances. Allez, tous ensemble, les mecs. Les jolies colonies. Personne? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Merci maman, merci papa. Ça va, Boubi? Wolfgang, il s'appelle lui, carrément quoi. Pourquoi pas Nazi Boy direct? Say hello to your Nazi boss. Bonsoir. Ok, allez, j'ai droit à un petit tatouage en plus. Bah quand même. Je pense à la mission. Trouver cette rosse. Oh, c'est bien fait quand même. Hein. Inspire. Ok. Vous avez qu'à être balèze comme moi. Vous avez qu'à faire 140 kg de muscles après 17 ans de coma, les mecs.
Vous pouvez en vouloir qu'à vous-même, hein. Bobby's Love. Attends, c'est quoi? C'est quoi la différence entre un gif et des chaussures? C'est plus facile de, c'est plus facile à trouver en 38 qu'en 45. Oh là là. Oh là, celle-là, elle est vénère par contre. Hein. Faut faire quoi là? Faut faire quoi? Je peux te chat Bombaté, Katia, Milo et Boris. Bombaté, c'est stylé comme nom. Ah bah attends, il est pas dans le 2 lui? Il est dans le 2 lui, Bombaté. Ça me dit quelque chose. Elle, on s'en fout. Mais non, mais ils sont tous dans le 2, non? Oui, c'est ça, je me souviens de... Ow. Le premier jour est dur, il faut l'accepter. Après, ça ne s'améliore pas. Ouh, ouh, doubleur connu. Est-ce que c'est pas un peu raciste que ce soit lui qui soit le doubleur de Barca dans Spartacus, qui est Renoir, de tous les Rouge Gardes dans Oblivion, qui sont tous des Renoir? J'en ai entendu parler. C'est lui qui a passé le plus de temps ici. Il est au bloc 4, mais pour y entrer, il te faut le bon uniforme. Dis donc, on dit s'il te plaît déjà. Sur ta droite, il porte un uniforme du bloc 4. C'est lui, il s'appelle Milo. Il paraît que sa femme est consignée dans le bloc. Il aura peut-être échangé son uniforme contre le tien. Tu veux parler plus fort par contre, parce que je pense que les nazis entendent pas notre plan. Merci. Monsieur Wolfgang, cet homme s'apprête à s'échapper. Pour utiliser le malaxeur ou quoi? Foutre le bordel. Ah mais au pire je pourrais essayer de travailler ici, enfin c'est pas vraiment dégueulasse comme comme boulot, comme situation. Non? Ah merde. Wolfgang c'est pété. Le truc il est pété, hein. Je continue à bosser parce que j'ai pas envie de me faire engueuler. Tu peux pas me malaxer Richard? Bah viens général. Si tu plantes comme un chien. Non mais je vais pas planter la machine, en plus ça a l'air d'être assez cher, attends on va pas non plus... Blasco il fait ses 8 heures tranquille. Ah bah oui c'est comme ça qu'on est qu'on se fait bien apprécier dans une institution, c'est quand tu fais du bon boulot. Je suis désolé, je vais pas me faire emmerder, attends. En plus j'ai le droit de travailler à la machine, c'est quand même classe. Hop. Ah et non je refais mes lacets de nazi. L'autre il m'a complètement vu en plus hein. Il m'a complètement vu. Wolfgang, ça pète. C'est lui, c'est le Renoir. C'est le Renoir, j'étais pas là, moi. C'est lui, là-bas. C'est lui avec l'os dans le nez. Bonsoir. Milo, je sais où votre femme se trouve. Je sais où se trouve Tintin. Qui êtes-vous? Je suis dans le même bloc qu'elle. Comment tu sais? Comment tu sais? Elle n'est pas morte. J'en sais rien. Vraiment, ça pourrait être littéralement juste un bout de viande séchée maintenant. J'en saurais rien, mec. Or, par contre, Milo, il fait 70 kilos, t'en fais 130. Est-ce qu'il faut pas un petit peu... Pfff. Vous allez me faire croire qu'ils ont réussi à se mettre à poil juste devant les nazis, là? Regarde, ils sont pas méchants. Prisonnier, on va boire un verre. Parce que bon, on est pas des chevaux de trait. J'espère que tu trouveras vraiment ce que tu cherches. D'accord, Rouge Garde. Bomb bait? Fais gaffe à toi. De quoi? Fais gaffe à toi. Attends. Y a un énorme problème là. C'est pas du tout Bombait, il s'appelle Bombaté. On est d'accord, il y a un gros... Oui, c'est complètement Bombaté, oui, c'est complètement Bombaté. Le doubleur, il a pété un plomb, bonsoir. Oui, bah j'aimerais bien, mais... Ok. J'ai entendu parler de ces camps. Auschwitz, Buchenwald, est en ouest. Raining Blood! Il est marrant le pipou, là, regarde. J'aime bien, lui. Il a une bonne gueule, je trouve. Je veux faire un bisou? Je veux faire un petit bib? Eh? Petit bibos? En plus, il crache des flammes. Enfin, c'est vraiment le truc. On dirait une machine orc en fait. Bonsoir. 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 Faut manger un peu plus, hein. Michael,
Coucou Airfaust. C'est lui Airfaust? Ah bah oui, c'est lui Airfaust. On dirait un lapin. C'est vrai, il y a un petit côté lapin crétin, mais beaucoup moins rigolo, quoi. On a faim. Eh bien, il faut manger. Oui, mais on n'y arrive pas. Eh bien, il faut se forcer. Y a rien de secret par là, là? Oh, y a pas un petit secret ou deux? Dans cette caverne? Dans cette petite cave? Oulou. Attends, y'a des trucs derrière là, non? Travailleur! Travailleuse! Camarade! Sommes-nous revenus au temps des pharaons? À trimer? Sous les coups de fouet? Et pour qui? Pour Hitler! Non! Vous avez vu ma fille? Ouais, ouais! Dans le cul! Non, j'arrête, c'est bon, on se détend, on se détend. Véritable colosse tout en muscles, en voilà un taillé pour le combat. C'est vous, cette Merci. Ça dépend. Qu'est-ce que vous lui voulez à cette rosse? Vous êtes de la Datichude, source de la. La Datichude! Ça, c'est merveilleux. Tu entends, il est venu me sauver. Dans ce cas, sauvez-le lui plutôt et filez d'ici sans attendre. Shimshon, ne perdez pas de temps, compris? Shimshon? Je les connais, ouais. Il y a Bart Shimshon, Homer Shimshon. Des gens meurent. La résistance vous appelle. Il s'agit donc d'une transaction. Je vois, vous voudriez que j'échange ma liberté. Oh, Yveille. David! Faut venir m'aider! La résistance, ça va pas se faire toute seule! Permettez-moi d'y réfléchir un petit moment, Shimshon. Les Shimshon! Comprends pas, hein? Voici ce que je vous propose. Le mec, il est en camp de la mort, il se tourne littéralement les pouces. Et je vous ouvrirai les portes du pouvoir à vous et à vos camarades. Comprends pas quand tu parles. Autrefois, j'ai travaillé sur un projet, cette machine. Elle fonctionne grâce à une technologie de la Das Yehud. Je la connais très bien. Das Yehud. C'est rigolo comme langage. Oh bah tiens. Oh bah tiens, il a la télécommande, le mec. Le mec, il a la télécommande de Airfaust sur lui, quoi. Ah, c'est les triple A qu'il faut. Station service de locaux de commandement. De quoi? Ah bah ça a l'air simple comme bonjour. Faut juste que j'aille chez les gardes et que je désactive le camp. Impeccable. Avec ça mon gars, tu captes toutes les chaînes mon frère. 1000 Deutschmarks. En plus, ouais, c'est quoi comme monnaie d'ailleurs qu'ils ont? On sait même pas ce qu'ils ont. Ils en parlent pas. Ça va? C'est qui lui? Tu fais un Kinder Bueno? J'ai pas le temps hein. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Vous êtes costaud. Ouais, ça va. Je me démerde. Je me démerde plutôt pas mal, disons. Taillé comme vous. Je m'occuperai de Scar, qu'on surnomme le couteau. Il s'amuse à emmener des prisonniers dans les quartiers des gardes pour les torturer. Oh, j'ai vu la fumée qui sort de la cheminée juste après. Ah. Ah, c'est parce qu'il les invite à devant un bon feu à boire du thé. Je vous demande juste de lui donner ce qu'il mérite. D'accord. Faites-le pour nous. De toute façon, je vais tous les claquer, hein, donc faut pas s'inquiéter. Hop. Ah. Ah oui, en effet. Ah, y a un genre de thème. Bonsoir. Cette puanteur. Oh, dis donc, ça va. Eh, ils sont pas non plus à leur avantage, les mecs. Hein. Faut pas dire ça à des gens, hein. C'est raciste, ce que tu fais, Blazkowicz. Ils sont comment? Oula. Oula. Oulala. C'est vrai qu'ils ont mangé, tous, hein. Oula. Ok. Ouais, non, d'accord. Je vois l'ambiance. Gros manque d'ambiance, faut pas se laver les mains là, non. Donc il faut que je tue le couteau. J'ai aucune arme là sur moi, on est d'accord? Ouais, ok. À part mon corps. Mon corps. Oh. Aïe. Ça pique. Ouh là là. Ouh, il va me strogifier là. Je le sens mal le plan là. Oh, lui, c'est un vrai gros nazi, lui. Je m'en fous, j'ai la régénération de PV, tu peux y aller, mec, hein. Da denkt man, man wüsste, wie ein Insekt denkt. Und
Ah, il va nous faire une petite tarantinette, en fait. Ah. J'ai rien senti, en plus. Et tout ce que t'as dans le bide, espèce de pédé. Dis donc, il est vraiment très très méchant, lui. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah. Il est con, par contre, hein. La race supérieure de mon cul, il a oublié son couteau dans mon bide. Ah, mais il me laisse avec, en plus. Il a vraiment rien bité au tableau, lui, quoi. Alors, ouais, par contre, c'est un peu dégueu. Voilà. Ouais, est-ce que je peux partir? Détaillez votre maximum, bande de tarlos. Voilà, regarde. Tranquillou. On finit ça. Le petit Klebs, il dormait pas. Maintenant il dort, il a même pas fait de bruit le Klebs. Oh, oh fuck. Voilà. Y'a de la vie là, y'a de la vie en plus. Ils ont pensé à moi les mecs. C'est facile de s'échapper d'un corps de la mort en fait hein. Peut-être pas le dire très fort celui-là. Ah c'est les... Y'a... Voilà. Chut. Chut. Pardon, on va passer par là. Oh. Ça, j'ai pris. Voilà. C'est vraiment la première infiltration de bébé, hein, quand même. Hein. Il a un gun, lui, ou pas? Non, il a une matraque aussi. Waouh. Par contre, je suis pas sûr qu'avec un petit coup de couteau vite fait derrière le dos, comme ça, tu meurs d'un coup. À mon avis, non. C'était lui le boucher? Enfin, le couteau dans mon cul, là. C'était pas énorme, hein, comme mort. C'est con, il aura fallu balancer dans le four. Il y a rien, juste retour des choses, ça va? Oh, ça va. Question un peu rhétorique, je vais admettre, mais bon... Ma reconnaissance éternelle à celui qui clip. Les exécutions du 2 sont mieux, je trouve. C'est... Bah... Ah, ça compte comme un couteau, ça? What? Est-ce que t'as vu juste que mon couteau, en fait, il a rebondi sur son cul? Commande des systèmes de sécurité neutralisés. Module, commande des systèmes de sécurité... Putain... Oh putain... Oh la vache... Oh, le système de commande et module de sécurité... Il y a un autre, il y a pas une petite arme, un petit lance-roquette, un truc. La matraque compte comme armure. Ah oui, mais il y avait le... Ah, c'était peut-être mon couteau était dessus, c'est ça, non? Ah, c'est en réparation, ok, je comprends. Je comprends. Mount. Die Zeit ist gekommen. Verdachtige, keinen Freund, melde ihn. Oula. Oula. Oh, t'imagines... Est-ce que t'imagines le mec qui a dû bosser sur cette illustration, la gueule qu'il a dû tirer, quand même? Oh là 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 là, c'est mauvais, c'est extrêmement mauvais. Hein. Attends, je vais voir. T'as pas une petite récompense pour moi, un sneaker, un truc? Vous avez fait ce qu'il fallait, n'est-ce pas? Ouais, t'as pas lance-roquette? Ce n'est pas toujours facile de prendre la bonne décision. Elle m'a filé une dague en or. Croyez-moi. T'avais une dague en or sur toi? C'est sûr. Ah non, c'est juste, c'est le dieu des jeux vidéo qui m'a filé une dague en or. Je comprends. C'est Jésus nazi. Bonsoir. J'adore ce design. On dirait vraiment un orc. Il y a des machines orc. J'y connais rien à Warhammer, hein, 40k. Mais il y a des machines orc qui ressemblent complètement à ça, en fait. Oh, je suis passé par là. Bah, c'est bon, détends-toi. T'es en camp de la mort. T'es pas... Oui, bon. Ok, je vois. Regardez, le moindre ajustement des ingrédients qui composent ce béton déstabilise tout le mélange. La structure moléculaire se dégrade et le matériau moisit rapidement. Le système de sécurité. C'est fait. Ah, Shimshon. Que... Quel est votre nom, Yengel? Yengel? Blaskowitz, oui, Blaskowitz. Bon. Je comprends, Shimshon, Yengel, faudra peut-être commencer à m'appeler par mon prénom parce que je veux pas aimer. Vous pouvez franchir cette porte pour rejoindre l'usine. Attention, surtout passez bien par la porte bleue du bloc 6, là où se trouve le bâtiment de commandement. Vous avez entendu. Une fois que vous êtes à la... De toute façon, je vais tout claquer, hein. Faites vite, il ne faut surtout pas que quelqu'un remarque quoi que ce soit. Ah bah là, ça va... Ouais, yatouli. Je comprends pas ce que tu dis, mais je suis... Ouais. Minguli yatou yatou, amina baba yatou yatouli.
Bon bah écoute, j'ai mon couteau, de toute façon je suis immortel plus ou moins. Si le seul truc qui me dérangerait, ce serait des kleps en fait. Ok. C'est tout petit ici. Tout petit, mais ici. Ah oui. J'y suis. C'est le bâtiment de commandement. C'est le bâtiment. Vraiment, ce doubleur m'éclate. Enfin, j'espère qu'il y a une petite compilation des meilleures phrases de Blazkowicz parce que je suis fan. Y a rien là, j'ai toujours pas. En plus, j'ai pas mon laser pour découper les trucs, donc c'est chiant. Bon, Lasercraft, que faire? Non, Lasercraft, je sais plus quoi là. Non, j'ai oublié le nom. C'est pas grave. Franchement, je vais juste avancer en défonçant tout le monde. Alors, j'écoute même pas. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Il a déjà son idée. Hein. Bonsoir. C'est Blazko. T'assistes Blazkowicz. Voilà. Je t'ouvre en deux, pauvre pipou, je suis désolé, hein. Mais là, il va falloir que je mette de côté mon amour pour les petits kleps. Mais ça, ça compte pas en même temps, c'est un kleps nazi, donc... Non, mais j'ai dit la dernière fois, ce porte-crayon est super stylé. J'ai dit la dernière fois que ça comptait pas, que les klebars, ils avaient pas à avoir de politique, et du coup, un kleps nazi est quand même un kleps. Tu peux attraper mon couteau, s'il te plaît? Ouh, dans le cul. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Enfin, dans la bite. Je lui ai fait un bullseye. Y'a rien ici? Oh. Wissenschaft auf dem Mond. Wissenschaft der Zukunft. Zukunft. Qu'une idée. Rien du tout. J'ai rien bité, quoi. Bah, FR, bah, ça pourrait être quoi? Elle s'appelle comment déjà? Elle s'appelle pas Fräulein mon cul, là? Et un chien épileptique. Bah, un chien épileptique, ça reste un chien, hein. Puis c'est pas une religion ni un courant de pensée politique épileptique, Nacro. Hein. J'espère que t'es au courant, quand même. J'espère que tu dis pas « Ah, l'enculé !» à chaque fois que quelqu'un dit « Ah, je suis épileptique !» Ils peuvent crever tous ces épileptiques. Ça. Nick. Voilà. Oh, des WC. Les WC, comme disent les Belges. Je suis désolé, j'ai loupé le premier, c'était ridicule. Il est où? C'était vraiment ridicule. Je vais aller me balader juste un peu par là aussi. Parce que c'est quoi? Ah ok, c'est le monde café. J'hésite, je vais aller plutôt par là-bas. Ça m'avait l'air plus accueillant. Oula, non, pas là. Là-bas, yes. T'as une grosse... Excuse-moi. Quoi? Ouh! Fuck! Personne me voit. Personne me voit, c'est bon. Personne me voit. Ah, fuck! Ah, je ta mère. Voilà. C'est bon, personne m'a vu. Aucune alerte, personne m'a vu, juste énormément de panique. C'est rien. La panique encore, je supporte. J'ai trouvé un buste en or, mon gars. Je vais me casser du camp de la mort avec. Le mec, il pense qu'à ça, quoi. Je peux prendre ça? Et qu'est-ce que tu veux foutre avec ça? Ça peut se revendre au moins 10 pièces d'or. Mais ça pèse au moins 10 kilos. Y'a rien d'autre ici, là? On me voit ou on me voit plus? Ça a changé chivalry. Pas tellement, hein. Honnêtement, pas tellement. Hein. Défonce le portrait, on peut? L'apôtre de la mort. L'apôtre de la mort. Si fier d'elle-même. On peut pas lui envoyer un petit... bip. On peut pas le péter, ça? Bip. Bon, bah tant pis. Non, y'a pas de... Y'a pas de truc secret? Bon, bah tant pis. Ça aurait été un peu gratuit, mais j'aurais bien kiffé. Pourquoi y'a un vélo? Le mec, il fait du vélo dans le camp de la mort, quand même, hein. Petit côté Liste de Schindler. Oula. T'as une grosse nazi. Hop. Lui, c'est bon. Toi, tu me tiens ça. Oh, là, par contre, c'était vraiment dans le cul. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, là? Hauptstadt Motel. Motels. Putain, mais il y en a plein en plus de ces illustrations là. Ils se sont gavés un peu, les mecs. Hein. Y'a rien en rab ici. Tu vois là, par exemple, j'ai une petite baisse de framerate quand je regarde par là. J'espère que ça se voit pas trop sur le stream. Normalement, non. Mais j'espère que ça se voit pas trop. Allez. Ah. Ein Saboteur.
Booby, putain. J'en reviens vraiment pas, quoi, que le mec il s'appelle Booby, hein, je suis désolé. Hein. Ah oui, exécution immédiate de la sentence en plus. Et tous les détenus, d'accord, tous les détenus du bloc 4, ok. Ah, Air Faust. Enfin, je veux dire, je suis pas particulièrement content de le voir, mais il a un bon thème, c'est ça que je suis en train de dire. J'entends pas, la musique est trop forte, j'entends pas. Je peux même pas m'en vouloir, j'entends pas. Ah. C'est lui, Air Faust ? Qu'est-ce qu'il fait ? Tiens, prends la batterie. Je suis allé un peu vite, je suis désolé, j'aurais dû vous laisser quelques exécutions. Il est con, mais il est con. Allez, dépêche-toi ! Là, ici, moi, plutôt. Oula, tu peux te grouiller ? Tu peux te dépêcher ? Tu peux te dépêcher ? Tu peux te dépêcher ! fais quelque chose, appuie sur 3-4, fais... Le code PIN. Quel con ! C'est... Oula, d'accord, voilà, ça c'est bon. Ça c'est fait. Il a un tout petit couteau, regarde, c'est marrant. Ah. Pour ton crime, tu mourras comme un chien. C'est vrai ? Oh. Du monde, ta peau carbonisée et ta graisse clarifiée, ta race exterminée, ta chair finira par alimenter le feu de la fournaise. Ouais, mais est-ce qu'on peut voir ça plus tard quand même ? Voilà, c'est ça. Va niquer ta mère avec indignation plutôt. Je suis pas fan. Oh là là, la précision du robot. J'espère qu'on va bien entendre la bande son. Prenez place, Simpson. Parce que je me souviens que la première fois que j'avais fait le jeu, j'avais quasiment pas entendu le thème. Allons les libérer. J'ai l'impression qu'on va pas l'entendre toujours. Hein. On retourne au camp. On ouvre le garage. On vend la véhicule. On défonce les portes. Ok, go. Allez. Ok, je tire des roquettes ou des... Ouais, mitrailleuses plutôt. On commence par les mitrailleuses, on fera les roquettes après. Oh, tu vois, on entend quasiment pas le thème. Hein. C'est vraiment gâché de ouf. Hein. Attends, on va changer un petit peu vite fait. D'accord. Donc c'est ça, il y a que ça comme ouais. Ouais, c'est bidon un peu. Hein. C'est vraiment de la merde comme réglage. Hein. Voilà. Oh là là là. Je vais prendre les roquettes finalement parce que voilà. En plus, on les a à l'infini en plus. Bon bah écoute, hein, let's go. Hein. Attends, recharge vite quand même. Bi bi bi. Regarde le pouce. Bi 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 bi. Dépêche-toi. Attends, il est là-bas. Ah, il y a lui aussi. Attends, je recule un peu et je te fous ta mère. Voilà. Bouffe ta race. Voilà. C'est bon. Ok. Oh, c'est génial. Voilà, on va tous les éclater. Voilà. Là, on est yimbe. Et moi, j'arrive pas à le bouger aussi vite. Pourtant, on a de l'entraînement tous, hein. Mais là, non. Là, j'avoue que c'est pour ça que Blazkowicz, il est plus balèze que tout le monde aussi, hein. Hop, ça, on remet ça là-dedans. Ils ont des lance-roquettes. Mais c'est rien, ça, les lance-roquettes. Qu'est-ce qu'ils en foutent ? Bim, 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 bim. Dépêche-toi. Voilà. Moi aussi, j'ai lance-roquettes, t'inquiète pas, hein. Il est en train de se pisser dessus le robot en plus. Encore un autre petit là-bas. C'est moi ou je récupère de la vie ? Non, j'ai l'impression que ma vie était plus basse que ça. Ah, j'ai l'impression, oui, que je récupère de la vie en fait. C'est niqué un peu, hein. Voilà, ça c'est bon. Quoi ? Voilà. Bip bip. Bip bip. Ça me fera vraiment toujours rire. C'est tout encore là ? C'est bon, il n'existe plus. Ah oui, d'accord, on récupère de l'armure sur les gens pétés. D'accord, je vois. Ah, de la rapidité du pouce du mec. Est-ce que t'as vu cette rapidité du pouce du mec?
Quoi? Déposez-moi sur le toit, je vais entrer dans le garage. Pourquoi tu cries? Je suis là, hein. Pas peine de gueuler, hein. Et hop. Et monte. Fonce, date, y'a tes roucoudes, là. Des coucoudes. Il est lent, il m'énerve. Oula. Oula, le script était un peu rapide. Il doit cartonner au bras de fer chinois. Tu peux parler un peu plus fort? Oula! Bah alors? Ah merde! Oui! De qui? En fait, limite, tu sais quoi? On va le foutre à la main. Parce que je pense que ça vaut le coup, tu vois. Merde, y'a pas de son. Merde, y'a pas de son. Voilà! Voilà. C'est quand même carrément mieux, quoi. C'est quand même carrément mieux, quoi. Mais oui, c'est Frederick Sandendal de Meshuggah avec Mick Gordon. Donc voilà, Meshuggah et Mick Gordon dans le même projet, si tu veux. Enfin, les mecs, ils s'arrêtent plus, quoi. C'est pas possible. Et ouais, du coup, la musique est géniale, mais le problème, c'est que dans le jeu, bah, on l'entend pas, quoi. Vous avez entendu, le volume, là, était au maximum, le volume de l'ambiance, mais on n'a rien entendu, quoi. C'est dommage, c'est gâché, quoi. Ah bah non, bah du coup, c'est pas qui bombé là, c'est pas lui. Il vient de se faire schlasse. Bon. Si? Je fais rarement des compliments. Bah non, c'était lui ou c'était pas lui? Il se peut que j'ai sous-estimé l'utilité de votre physique de primate, monsieur Blazkowicz. Je t'emmerde, mais à un niveau tellement... Si, il survit? Ah d'accord, il va bien. Ok, ok, d'accord. Excuse-moi, je pensais qu'il s'était pris du 762 à bout portant, mais ça va en fait. Nous opérions dans le plus grand secret depuis des millénaires, jusqu'à maintenant en tout cas. Qu'est-ce que vous faites? Vous priez? Non, non, Mamoulou, nous ne prions pas. Mamou quoi? Nous inventons des choses, Mamoulou. Mamoulou? Tu peux t'étendre un petit peu sur les mamoulettes par contre, là, parce que ça me plaît qu'à moitié là. Imaginez, mais elle est dangereuse en de mauvaises mains. Les nazis ont trouvé notre cachette et tous nos secrets. C'est comme ça qu'ils ont gagné. Tout ce qu'ils ont jamais accompli, tous leurs exploits sont le fruit de notre savoir. Je pensais qu'ils allaient montrer Max Hoss qui comprenait rien, tu sais. Ils sont passés de visage en visage, tu vois. Nous en avons des centaines dissimulées dans les endroits les plus secrets du monde. Tripote-moi le mamoulou. Tripote-moi le petit mamoulou. Ah, la belle bibite en bois. Sont de grands temples pleins à craquer de connaissances, de magnifiques inventions, des choses qui, pour vous, sembleraient magiques. Tiens, tiens, tiens. Ça semblerait magique, mais ça ne l'est pas. C'est technologique. Ouh, merci Madness. Oh la vache, il a offert 5 subs. Merci beaucoup, mec. Ça fait super plaisir, la vache. Oh, le tueur. Merci, Mass. Est-ce que t'as vu que t'as offert quand même un sub à Adwim? Merci beaucoup, mec. C'est adorable. Pour mener mon plan à bien, il faut réparer cet engin. Pouvez-vous le faire? Je ne suis pas de la tassirette pour rien. Je peux le faire les yeux fermés. Bien.
Ça m'a fait peur par contre. Ça peut se calmer un peu par... quand même un peu. Vite fait. Encore un petit. Encore un petit. Encore un petit. Non bah tant pis. Ah bah si. Attends, j'attends qu'ils finissent de parler. De matériel de soutien. Et allez, c'est Bibi qui va encore se faire chier à trouver des trucs. Ouais. Trouver le chalumeau. Ah, oh ta gueule. Merci beaucoup, Mendes. On pourra pas te remercier assez, mais écoute, on va tenter au moins. C'est qui pleure? J'entends chialer là. Ouh. Yeah. Ah, c'est maintenant la pire mission du jeu. Merci beaucoup Lysander pour le resub, merci mec. La pire mission du jeu. Dis donc, c'est marrant, je m'en souviens pas. Valentin. Il est où Chalumeau? Il serait pas chez lui là? Lui il a une bombe. Il a une bombe, c'est pas une petite bombe nucléaire là? Dans... Ah si. Bah non, si, bah non. In the hangar. Dans le hangar. Qui bricole sur ses hélicoptères. Lui, ça va, il est pas trop stressé par la guerre. Capitaine Blazkowicz. Oh non, c'est bon. C'est bon, c'est pas pour me taper les états d'âme. Bon, ok, il va être dans le hangar, le poste de soudure, c'est ça? C'est qui chiale, là, j'entends chialer, là. Le mec, il a sa petite Fatman. Il est pas là, il est bombé. Attends, comment il s'appelait? Il y a un skit de Eric André où ils vont dans la ville et ils disent que comment il s'appelle, Elrond Hubbard, l'inventeur de la scientologie, il était black et il l'appelle Elrond Oyobembe. Ce skit m'éclate. Ça m'éclate les skits. Elrond Oyobembe. Je vous donne des réponses, non? Mais tu me fais chier, tu me parles tout le temps, je m'en bats les couilles. Grand singe. T'écris rien, hein. 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 Bon, allez, va niquer ta race. Qu'est-ce que tu veux, Blazkowicz? Je suis le dire. Tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu. Oh, attends, si, t'as raison, c'est vrai. Je voulais réparer la rambarde. Oh non. La très secrète de la fontaine. Ce truc m'a glissé des mains et il est tombé dans l'eau. J'ai du pain sur la planche, mais si tu veux chalumeau, tu as mon autorisation express de... La porte de l'entrée secrète est dans la pièce principale, derrière la table. La pièce principale? À mon avis, tu devrais pouvoir pêcher le chalumeau. La pièce principale derrière la table? La pièce principale de... dans la maison, là? Enfin, là-dedans? La pièce principale... Il parle bien de cette pièce principale, là? Là? Aide 7. À se procurer toutes les pièces. Ah bah c'est lui, bon bah t'es... D'accord. Mais t'es pas pris tout le temps dans le cul là? Comment ça... Tu peux me pousser s'il te plaît? Je voudrais pas te gêner en pleine réflexion mais... Je dois ouvrir... Ouais, après tu t'es pris 10 balles dans le cœur. Je pense seulement à des trucs que je préfère réunir. Bah ta gueule. C'est horrible. Oh, je me dis que je devrais avoir le cerveau en miettes après avoir vu tout ce que j'ai vu. Pourquoi c'est pas le cas? Comment il est encore en vie, Kikongo? Mais oui, c'est moi où il s'est pris. Non mais on n'est pas fou. Il s'est fait descendre. La tornade et peut-être en sortir entier. Et tuer tous les nazis. Et tuer tous les nazis. Je trinquerai avec toi pour fêter ça une fois que le moment sera venu. Kirikou prend des balles. Il fait la résistance. Ouais, il a des bandages, mais vite fait, il en a un sur l'avant-bras, quoi. Attends, on l'a vu se faire chlasser littéralement le torse. Bon bah tant pis, hein. Tant pis pour la logique. Ah oui, exact. Hop. Ah, merde. Je vois. Et je peux vraiment pas remonter par là, là? Est-ce que je peux juste remonter pour récupérer un peu d'oxygène? Je t'en supplie. Voilà, merci. Allez, c'est parti. Mission sous-marine, sous l'eau, dans les égouts. Génial. C'est super. Je récupère un peu d'oxygène. Ah, c'est les nazis qui sont juste à côté de nous, d'accord? Top ambiance. On a les bons voisins, tu sais. Je vais me faire bouffer le cul, c'est ça? Il va y avoir des crocodiles nazis. les fameux crocodiles nazis. Par contre, ils commencent à faire chier avec les missions sans armes depuis tout à l'heure, là.
Enfin, je comprends le principe, mais c'est relou, non? Bip. par là. Voilà. Non, pas par là, en fait. Si, par là. Non, mais je vais encore me paumer, c'est pas la peine. C'est par où? Putain, j'en ai marre. Les nazis font du ski. C'est Dead Snow, plus ou moins, Nick Nick. Attends, est-ce que je peux reprendre le couteau? Voilà. Attends, c'est par là alors, j'ai mal vu. Oh non, non, non. Ah oui, là, oui, c'est ça en fait. Ok. Ah un. Bon, bah ça marche pas. Et ça, je peux le couper. Non plus. Ah. Ah oui. Ah. D'accord, donc quand même le... Ouh. Elle est sympa cette échelle d'acier rude. C'est la technologie hébreu, ça. Qu'est-ce qui était bien Dead Snow 2, même si c'est moche en norvégien. Il est génial, Dead Snow 2. Ouh, encore? Stroboscope? De quoi? Ça fait quoi? Le sarcophag est maintenant équipé d'un stroboscope. Quand vous tirez, ce dispositif produit un flash lumineux aveuglant qui désoriente temporairement les cibles faisant face. Qu'est-ce que c'est que cette arme à la con? Les terroristes, est-ce qu'ils peuvent nous laisser tranquilles? Ah, il s'appelle Ygritte. Ygritte, est-ce que tu baises? C'est vraiment des connards, ces terroristes, hein. Je suis d'accord. Je suis d'accord, Ygritte. Ygritte. Il y a un film ce soir? Non, il n'y a pas de film ce soir, mais... Il y en aura un peut-être dimanche. Je tire très mal, c'est assez dégueulasse, mais... C'est pourquoi? Pour faire des plateformes? Ou pour me faire de la couverture? J'ai l'impression que c'est plus pour me faire de la couverture, en fait. On va faire l'autre? Ok. Je peux me recharger le Das Giroud. Le Das Giroud. Mais qu'est-ce que c'est que ce coin, en fait? Je comprends pas où on est. Parce qu'une balle dans le buffet, ça les stabilisait pas assez. c'est quoi? C'est marrant, ça me rappelle un truc. Qu'est-ce que c'est? Ça me rappelle un truc, cette scène. C'est marrant, ça me rappelle un truc, mais c'est pas un souvenir forcément plaisant, c'est bizarre. Je vais garder ça là au cas où, parce que ça fait salle de boss, hein, mine de rien. Hein. Je vois. Ok, un. Par contre, je prends ça, merci. Dans ta sale gueule, mon gars. Bourrine-le. Il tire mal, il tire très mal. Allez, mon con. Putain, la vache qu'il prend. Ouh, ouh, ouh. Non, non, pas taper. Ouh. Il faisait pas ça avant, en 39. C'est marrant, hein. Comme quoi les gens changent, même les nazis, hein. C'est un boss de Sekiro. Il t'a fait un choke slam. Est-ce que tu penses qu'on peut tirer ça et leur faire tomber dessus, en fait? Y a peut-être moyen. Je vais essayer de pas ouvrir celui-là. On verra si ça fait quelque chose. J'aurais dû prendre l'armure au-dessus. Elle va tomber tout seule, c'est ça? Trop marrant. Oh là là, et pilote, il est directement là en plus. Oh là 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 là. Attends, est-ce qu'il est... Avec un peu de chance, il est en dessous. Me tape pas, décolle pas. Alors, oh là 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 là. Oh, ça va être drôle. Je sens l'humour d'ici, en fait. Mais il est où l'autre? Ah, ils sont tous là, d'accord. Attends, il y en a combien? J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs. Enfin, il y en a plus de deux. Ah, j'ai plus de munitions. Je vais me casser ça. Et voilà. Et voilà. La mission la plus dure du jeu, mon gars. Et moi, je les emmerde, les nazis, moi. J'ai pas à subir leur script aux nazis, moi. Le tung qui cogne la tête. J'ai l'impression que ouais, je me suis mangé une petite bosse en sortant, mais c'est pas grave.
J'avais jamais capté qu'on pourrait se barrer. Et oui, ça, il faut un expert en fuite pour savoir ça. Ok, d'accord, je vois ce que j'ai fait. Après, peut-être qu'ils vont venir me manger dans le cul, mais bon. Pour l'instant, ils se retrouvaient bien comme des cons. Est-ce que tu crois qu'on peut retourner les voir? Genre, juste pour voir s'ils font quelque chose de particulier. Oh. Ah non, ça a fermé, d'accord. Bon, bah écoute, impeccable. Un bon français pour la 8000ème fois, encore une fois, ça aussi. Les Français, ça fuit pas, ça se rend, ok? C'est juste moi. Il y a que moi qui fuis. Et c'est pas de la fuite genre, ah j'ai peur, c'est de la fuite stratégique. Là, on regarde la situation. Il y avait deux mecs d'à peu près 2,5 tonnes. Tous armurés avec des MG beaucoup dans les mains. Moi je suis à poil, j'ai un fusil qui fait bzip. D'accord, donc en fait les nazis sont juste là en fait. Beaucoup d'efforts pour un chalumeau. Je trouve aussi. Faut que tu t'y colles, Fergus. Je trouve aussi. I live, I run, I live again. Il est au trou du cul là. Voler un sous-marin nazi. Mais c'est un sous-marin nazi ça ou c'est juste une maquette? Je comprends pas. Donne-lui un coup de main. Tu veux? Non, je sais pas si c'est juste une maquette en fait. Mais j'ai pas l'impression, hein. J'ai l'impression que c'est un petit glider, tu sais, comme il y a dans Subnautica en fait. Je sais pas, on verra bien. Tiens, prends là ta merde. Oh, Ishakor, Shimshon, Ishakor. Je comprends pas, hein. Ce qu'il faut. Oh, attendez. Pourriez-vous transmettre ce mot à un... Ah, c'est là qu'on va niquer, là. Besoin de la fréquence du transpondeur pour... Ouais, t'inquiète. Je vais lui transmettre bien tout là-dedans, mon gars, un truc. Garçon de course. Comment ça me casser les couilles de faire un truc pour un... David, tu vois, bon, chercher le chalumeau, David, tu vois, tu fais le sagne. Tu m'étonnes, en plus l'allemand il est un petit peu bricolore, tu m'étonnes, une petite matinée, il le prend mal le mec. Hein. Tac, je suis à ça d'ouvrir un camp de la mort. Je suis à ça d'ouvrir un... Franchement, hein. Bon, t'as de la chance. Moi je tire bien, moi. Moi je m'en fous, hein. On fait marche arrière, je tire bien, moi. Je vais appeler Air Faust, il va faire « Ah oui, qu'est-ce qu'il y a comme problème ?» Et je lui dis « T'inquiète. » Et là, tout le monde fait « D'accord. » Là, ça a cassé les couilles. Hein. Putain, c'est pas possible, ça. En plus, l'autre, elle a 3 touches sur son clavier. Elle peut écrire « A-cook » ou « E-kick », quoi. Enfin, c'est de la merde. Hein. Le Folk Computer. C'est marrant, ça. C'est... Pourquoi je suis allé là? C'est des conneries, j'ai pas besoin d'aller là. C'est quoi, ça? Ah non, c'est elle derrière, ok. Allez, go. Allez, tac, tac, tac. Dra, 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 mes go. T'aurais un moment? Ce qu'elle est en train de prendre? Avec les trucs qui se décrochent du mur et tout, le super béton qui s'effrite. Mais pas tout de suite. Petites affaires, petites affaires. Ah, c'est tout en plus. Écoute ma voix, Blazkowicz. Écoute ma voix. Dans les tunnels des groupes, l'appareil intestinal. Bon, yeah, c'est l'équivalent de se faire marcher dessus par 16 mecs d'un coup. Par tout le club de rugby de Neu-Berlin. Non, ils jouent à quoi les Allemands? Au foot plus qu'au rugby, non? Je sais même pas. Yes, mission de merde, allez à toutes. Ah, super. Merci Momo. Cette voie d'accès est bloquée par les eaux, impénétrable aux étrangers. Il n'y a qu'un seul moyen de forcer le périmètre. Elle s'est fait marcher dessus par un régiment de super soldats. Il nous a fallu des années pour le remettre en marche. Bon, et bah écoute, y'a pas l'autre truc là que je peux récupérer juste avant de voir le glider là? Regarde, y'a des trucs là. Y'a des trucs là. Oh, t'inquiète pas. Avant de demander à Anya de récupérer ma position, il va falloir lui trouver un peu de sucre. Faut la laisser se reposer, Anya. Anya va arriver, mais boite. Allez, go. Ça va être bien. Ouais, je sens qu'on va se marrer, là. Ok. Est-ce que je peux faire un petit... Je fais un petit Waterworld? Non, oh là là, je vois que dalle. Ok, ça va être cool. Merde, c'est pas une sortie, ça. Où est-ce que je suis? Ok. Oh là là, ça va être une catastrophe. Déjà que je sais pas me repérer, genre dans l'espace. Là, enfin, c'est vraiment... Love, exciting and new. Come aboard, we're expecting you. Putain, en plus, il y a des...
Non, non, je veux pas l'illustration des égouts, je m'en bats les couilles, hein. Tilt à la souris, Now that's pod racing. Oula, oh là là. Oh putain, on peut faire des... Oh là là, j'ai aucune idée où je suis. Ok, si, peut-être que... Attends, je vais où là? Oh là 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 là. Ok, ok, j'arrête ça pour toujours. Promis, j'arrête ça pour toujours. Faut juste que je tasse ça, c'est ça? Ouais. Et la vague rouge arrivait. De quoi? J'ai désobéi à mon père et je me suis plongé dans l'eau. De quoi? Comme si ma peau était en feu. De quoi tu parles? Comme si ma peau était en feu. De quoi tu parles? Blasco, ça va? Écoute-moi en con. Oh là là, mais... Je suis à l'envers, là, non? Caroline m'a dit que quelques prisonniers avaient essayé de s'évader avec des objets de valeur, il y a quelques années. Ah! Ils ne sont pas allés très loin. T'as une object de valeur? Je peux passer là? Ah, ça bloque? Bon bah tant pis. J'y vais à la main. Je me suis bloqué tout seul. Merde. Non, c'est bon. À 13 ans, je suis tombé dans la mare près des étables. Je suis rentré couvert de sang. Ok. C'est à quel moment que je dois pas m'en battre les couilles, Blasco? Moi aussi, j'ai de la rhétorique. Attends. On va retourner au truc. Ah, oh, c'est chiant cette phase, putain. C'est de sens mécanique. De quoi? Les sens mécaniques? À 13 ans, mais il s'était pas genre 1917 quand t'avais 13 ans, toi? Pendant toute la mission, ils vont raconter leur vie. Ah, c'est pour ça que c'est fait chier, en fait. Quoi? Je suis en train de lire un journal que m'a donné ma grand-mère. C'est bien. C'est celui de ma cousine. Tu sais lire, en fait. Elle travaillait avec nous à la ville. Elle est morte depuis. Waouh. Mais elle protégeait de nombreux... Je suis dévasté. Comme elle ne pouvait se confier à personne, elle a tout mis par écrit. Non. Je vais t'envoyer les messages radio dans ton journal. Oui. Tu pourras les écouter si tu en as le temps. Arrête. Ouais, je vais lire ça, ouais. Ouais. Ouais, je vais lire ça, ça va être bien. Dans laquelle tu te trouves est désaffectée depuis longtemps. Ok. Là, il y a une échelle. Les machines sont peut-être toujours en état de marche. Non seulement c'est du solo et en plus on se fait chier, bah oui ouais. En même temps les gars ils pouvaient pas faire vraiment Subnautica mais bon ils auraient peut-être pu quand même essayer de faire un truc qui tient la route là, c'est vrai qu'on se fait chier. En plus ça fait deux sections qu'on a pas trop de baston, genre que c'est juste un genre de narratif rigolo quoi. Parfait. Bah je sais pas en quoi c'est parfait mais ouais. Ah d'accord je vois. We're expecting you. Oh la. Doulouloulouloulouloulou. Je me suis fait mal. Je me suis fait mal tout seul. C'est pas grave, c'est pas grave. On fait avec, hein. On va commencer à... On commence à apprendre comment ça marche, hein. Allez, une autre roue. C'est marrant, je me souvenais plus trop de cette section-là. J'avais des bons souvenirs... Monte. Putain, voilà. J'avais des bons souvenirs du premier, c'est marrant, je me souvenais pas du tout de ces sections-là. Bon bah écoute, hein, il faut au moins quelques sections où on se fait chier. Hein. Putain, mais je m'en fous, Stéphane Bern. Occupe-toi de ton cul, laisse-moi me démerder. La reine Elisabeth II, dans sa grande mansuétude, a fait de ce réservoir sa réserve personnelle de stop tout. Qu'est-ce que ça sert en plus? Ça sert à que dalle de venir ici. Non, si, assis là. Ouais, le journal. File-moi le journal de ta grand-mère ou je sais pas quoi là, c'est bien. C'est très important. La reine Elisabeth est allemande. Ah bon? C'est vrai ou pas? Il y a un truc là-bas. J'ai envie d'un album par contre. Oui, bah ça va! Non, putain. Là je peux... Il est où mon... Putain il est resté en sous-marin en plus ce con. Il flotte pas ou quoi? Attends je vais essayer de voir un truc. Parce que là du coup il y a des bonus. Oh là là. Oh là là. Ok là. Ici là. Il y a des bonus. Je peux pas sauter dessus. Non jump around. Non je peux pas. Bon bah tant pis. Allez, let's go. S'amuser un petit peu. Oui, la reine de l'Angleterre est allemande. D'accord, ok. La fameuse. La reine Elisabeth. Qui vit à Westminster. Ok.
c'est marrant à quel point c'est vraiment pas très pratique ce qu'ils ont fait. Genre tous les déplacements, j'ai l'impression d'être piégé dans du miel. Ah. Bien joué, William. Le glisseur ne t'emmènera pas plus loin. Ah. Tu vas devoir nager pour rejoindre les catacombes. Voilà, bonne. Ouh. Ça m'a fait peur. Merci pour le resub, Croconut, ça fait super plaisir. Merci beaucoup, mec. 3 mois. C'est trop mignon et c'est vraiment super gentil. Merci, mec. Allez, go. À 11 ans, j'ai traversé le lac Fornis pour gagner un pari. On s'en mec. Mais il faisait moins sombre. C'est tout en plus. Mais on s'en bat les couilles. Je dois trouver le moyen d'accéder à l'entrée. Ah, si seulement j'avais un genre de lame, tu vois, que je pourrais utiliser pour sectionner, par exemple, le bois à coups de poing. Allez, nage, trou du cul. T'es sérieux, là, faut... C'est quoi, c'est avec mon laser, là? Non? Bah non, c'est du bois. Ah oui, ok, ouais, j'ai. D'accord. Non, si, c'est bon. C'est clair. Ouais, il y a une mine. Ouais, je viens de voir, ouais. Je viens de voir. J'avais su avant que tu me le dises. Bien avant, même. Voilà. Les mines, ça flotte. Et ça va faire... Blam! Une fois, mon oncle m'a filé un cocktail sans alcool. Mais il y avait de l'alcool. On est allé à Disneyland. C'est putain de sensu. Tu le savais avant de jouer au jeu? Ah oui, non, mais bien sûr. Je fais partie de l'équipe de dev. Hein. Je suis plus ou moins un level designer. Une fois, j'ai marché sur mon Lego. Putain de pièce citrou. Fuck. Ah, putain de Lego nazi. Alors, ouais, journal de Ramona, c'est bien que tu me files ça parce que je pense que je vais tous les écouter, quoi. À mon avis, on fait ça, les gars. Comme ce qu'a fait Spider avec le stream de DMC5 sur les cinématiques, tu vois. On va faire pareil, mais je vais faire un stream uniquement où on lit les journaux de Ramona, d'accord? Parce que j'estime que c'est un peu quand même important de savoir, voilà, ce qui se passe dans sa vie, Ramona. J'ai plongé dans le puits pour sauver la mort. Ok, et ouais. Mais à quel moment t'as pensé que c'était une bonne idée de raconter ta vie, par contre? Allez, voilà. J'ai des armes ou pas, quand même? Oui, j'ai toujours que mon silencieux, moi, d'accord, ok. Donc on se fait chier pour débloquer les armes de partout, mais finalement, on s'en bat les couilles. Alors, t'as une catacombe? Y'a rien de caché, là? Bon, tant pis. Viens, Russian, nous fais pas ça. Unsub. Viens, je me désabonne. Une fois, j'ai demandé à une meuf si elle écoutait du métal. Elle m'a parlé pendant une heure de Nickelback. Ça faisait plus mal que les shrapnels. Ah, je suis... Je me suis vidé le laser craftwork. Ah. Tesla. Eh bien, attends, ça fait quoi, Tesla? Le laser est maintenant équipé d'une unité Tesla qui modifie la fréquence du rayon pour lui permettre de toucher toutes les cibles mécaniques à proximité de sa trajectoire. Oh la vache! Les anecdotes de Blowjob Blaskovitz. C'est comme ça qu'on appelait à l'armée, en fait. T'es conscient que j'écoute pas, là? T'es conscient, je t'écoute toujours pas, là? Vol, brille. Comment on passe là? Ah merde, oui, quel con. Je suis pas, hein, je suis pas, j'avoue. Notre équipe t'attendra là-bas. Klaus, on dira plus. Voilà. Pekeb. Je vais me manger le train, c'est ça? J'aime pas... Oh là là, ça me stresse tellement. Oh, j'ai des frissons. Ça vous stresse pas, vous, les niveaux qui se passent sur des rails de chemin de fer comme ça? Mec, moi, ça me terrifie, hein. J'ai toujours l'impression qu'il y a un truc qui va me foncer dans le cul, vraiment, ça me met vraiment pas bien à chaque fois. Hein. Oh là là. Ah, ta gueule. On s'en fout de Ramona, putain. C'est pas... Hop. Ah, d'accord, là il y a des mecs. Peut-être que dans le fond là-bas il y a l'autre truc, attends, je vais visiter un peu. Faut pas jouer à métro. Faut pas jouer à métro. Ah, j'aime pas du tout ça. Le fait de savoir qu'il y a toujours un train qui peut venir me rentrer dans le fion, vraiment, je supporte pas la pensée, quoi. J'imagine que pas grand monde aime l'idée d'un train dans le fion, hein, à part quelques-uns d'entre vous, bande de déviants. Mais moi, ça va pas, quoi. De déviants ou de vitels.
Oh, il est fort, le con. Attends, il est où le... Ah, c'est lui. Voilà. Un. Zwei. Chercher le, deuxi- le troisième. Quoi, Feuer? Allô? C'est qui me voit? Ouh, pipou! Casse-toi, casse-toi. Voilà. J'ai récupéré son fusil d'assaut, du coup, parce que là, on déconne plus. Allez, c'est parti. Il y avait un mec juste à côté de moi. Je sais pas si vous l'avez vu. Moi, je l'ai pas vu. Il est où? Ferme ta gueule. Voilà, merci. Nique ta race, voilà. Tu t'es déjà arrêté sur des rails IRL, ça te met tellement pas bien. Les activités du dimanche de Dwelly, ouais. Ouais, c'est bizarre, non, comme truc à faire le week-end. C'est ce qui arrive quand vous streamez pas. Oula! Eh ben, on va commencer à se lancer dans le 24h sur 24, parce que là... Oh, attends, parce que là, j'ai plus beaucoup de munitions, il va falloir y aller tranquillement. Si seulement j'avais un genre d'arme qui permettrait de tirer des, je sais pas, des lasers ou un truc comme ça. Fait chier. Aïe. Quoi? Je sais pas si c'est puissant, je l'ai tué ou pas, là? Ah, donc lui, là, il est mort. Là, on a vu un genre de pastéquisation. Voilà. Qui c'est qui me tire dessus? Ah, c'est toi, là? T'as peur ou pas, là? Il reste le chapeau, quand même. Il reste le chapeau. Il y a un petit côté Astérix et Obélix. Vous avez vu le nouveau jeu Wolfenstein? D'ailleurs, il y a du Carpenter Brut dans la bande-annonce. Ils ont foutu Turbo Killer. Comment ça s'appelle? Wolfenstein Youngblood, je crois. Où tu joues les filles... Ça, tu peux jouer en coop et tu joues les deux filles de Blazkowicz qui vont essayer de le chercher. Écoute, le fait de foutre Carpenter Brut, ça rend pas un jeu bon. Et qu'ils partent sur le principe un peu synthwave, etc., etc. Je sais pas si c'est forcément une bonne nouvelle, mais on verra. Ça se trouve, il sera très bien. De toute manière, je pense qu'on va vous le streamer parce qu'on vous a streamé le premier, on vous a streamé le deuxième. Je vais vous faire aussi The Old Blood. Donc je pense qu'on fera Young Blood aussi, hein. Et voilà. Parce que quelque part, on n'a aucun goût. Donc, voilà. Il paraît que c'est un nom de scène, Carpenter Brut. Quoi? De quoi? Évidemment que c'est un nom de scène, il s'appelle pas John Carpenter, le mec! Enfin, si, c'est littéralement, mais pas lui! La menthe! Aïe, aïe. Bon, là, par là, ça passe pas. Et par là-bas, ça passe ou quoi? Je comprends pas, j'ai l'impression qu'on peut passer, mais j'ai l'impression qu'on peut pas passer en même temps. Oula. Big Brother is watching you. Je peux pas passer. Ah, faut peut-être faire ça en fait. Oula. Bad idea. Oulala. Attends, parce que du coup, mon laser giver maintenant il fait du Tesla ou je sais pas quoi là, donc ça se trouve. Pas très très efficace. Grenade. J'ai pas de grenade. Et cette fois-ci, pour la fuite, c'est un petit peu chaud du cul. Ah là 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 là. Et il y a plein d'artistes synthwave français. Ah bah oui, on a que ça. Un des premiers très très gros artistes synthwave, c'est Kavinsky. Et si tu veux, le mec, il a joué dans Steak. Avec Sébastien Tellier... Quentin Dupieux, même Perturbator, il est arrivé après Kavinsky. Hein. Mais oui, on a Perturbator aussi, mais même, quelque part, on a aussi Daft Punk, qui même si on peut pas franchement parler de synthwave, c'est quand même du... ils appellent ça, je sais même plus, French, je sais plus quoi. Mais c'est quasiment pareil, hein. Jean-Michel Jarre aussi, mais complètement. Complètement Jean-Michel Jarre. On rigole, mais Jean-Michel Jarre, attends. Tous les mecs qui font un peu de synthwave, ils se chient dessus dès qu'ils parlent de Jean-Michel Jarre. En plus, le mec, il faisait des putains de concerts avec des harpes laser, mon gars. Harpenlaser, c'est aussi une arme nazie, c'est pour ça. Est-ce qu'il est là?
Attendez, Stas. Allô? Bah merde, il est où ce con? Nazi? Rommel? Nazi? Nazillon? Petit Nazillon? Ah, t'es là. Hop. Merde. Attends, c'est la merde. Il est long ce boss fight là. Niveau musique électro, on est limite la majorité des bonnes. Bah oui, bien sûr. Regarde. Justice. Mec. Justice, c'est un des meilleurs groupes d'électro tout court. Et bah, ils sont chez nous. Ils sont de chez nous, je suis désolé. On est les meilleurs, qu'est-ce que tu veux? C'est dur, mais c'est comme ça, hein. Faut vivre avec. Est-ce qu'il n'y a pas de la vie là? Ah, nice. Bon, j'en ai pas énormément, mais. Ah, grenade IEM, c'est bon ça. Attends, tu sais quoi? Couper ça. Hop, voilà. Il est où l'autre enculé là? Oh, regarde, hop, grenade IEM. Ah, il va être tout pourri après là. Bip, ça a rien fait. Et je crois que j'ai loupé ma grenade. Il y a des bouts qui volent, hein. Mais comme dans les douches à l'armée. Il est mort? Il est mort. Super soldat. 1960. Ça va? Oula, ça va pas toi. Passe une très mauvaise journée toi, hein. Allez, go. Allez, hop. Alors que niveau pop, on n'y est pas encore. Personne n'y est niveau pop, hein. Hop. Merde, non, c'est pas ça. Non, arrête. Voilà, moi je veux ça. Voilà, regarde. C'est comme ça qu'on fout des caisses à la méga forge. Avec des armes lourdes de nazis. C'est génial comme truc. Ça existe en vrai des trucs comme ça? Parce que j'en achèterais bien. Ou si ça peut se louer la journée, je sais pas. Chez Kiloutou peut-être. Munitions lourdes. Les pieds de biche, c'est pour les PD. Mais oui, la dub, je vois quelqu'un qui parle de dub, mais c'est ça existe plus la dub. Enfin, ça existe encore, mais c'est très vieux maintenant la dub. C'était années 90, c'était des early 90, c'est comme le Big Beat en fait. Le Big Beat à la Prodigy, ça existe plus, hein. Même si bien sûr que ça existe, il y a toujours des petits groupes, mais je veux dire ça a plus aucun poids nulle part. La synthwave commence d'ailleurs à se fragiliser aussi, hein. Maintenant que tout le monde la surutilise partout, ça se fragilise, hein. Mais la dub, ouais. C'est quoi ça? Ça, c'est des trucs, d'accord. Attends, je vais lâcher ça parce que ça me rend lent, j'aime pas. Ah, d'accord, ouais, putain. D'accord, on arrive là, en fait, la fin du niveau, c'était par là. Je suis sûr on aurait pu, genre, il y avait un skip ici, en lâchant une grenade ou un truc comme ça. Je suis sûr on aurait pu faire un petit skip. Mais je suis pas un speedrunner, moi, hein. Je suis ni trans et j'ai pas les cheveux bariolés, du coup. J'ai que l'undercut, moi, des speedrunners. Maintenant, c'est le Vaporwave, ma couille. Non, même le Vaporwave, tu sais, les gens, ils s'en battent un peu les couilles, hein. Prodigy, ça existe plus tout court maintenant. Mais bah oui. Bah en même temps, oui, écoute, ils ont perdu une grosse partie, hein. Du live sans Keith, en général, ça va pas être Jojo, hein. Salut mec Mildan, ça va mec? Ah putain, j'ai mal à l'épaule. Y'a pas quelqu'un qui est chaud là pour venir faire des. Tu sais, comme dans les pubs, des mecs qui craquent les nuques là. C'est trop bien ça. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo là. Avec un Washi qui craque des nuques aux gens. Genre il est chiropracteur. Ça fait tic. Et les gens ils font. Et ça me tue. Ah, ok. D'accord. Donc on arrête l'humour, c'est ça que vous voulez faire? Ah, ça aussi c'est fermé maintenant. Où est-ce que je vais aller? Attends, ça me plaît qu'à moitié là. Je peux me barrer, tu crois? Est-ce que c'est dans le champ des possibilités, comme disent Lu? Parce que c'est vrai que là, si je pouvais ne pas avoir à les latter, si tu veux, ça me plairait vraiment beaucoup. Faut faire quoi? J'ai pas suivi, j'aurais dû suivre, ouais. C'est le cas. Ah, je peux peut-être me barrer direct comme ça, là. Hop. Comment je suis maladroit, tu vas finir tétraplégique des genoux? Bah c'est pas grave, je m'en fous si je peux continuer à jouer aux jeux vidéo, tu sais. En plus j'aurai une chaise trop cool comme Professeur X. Professeur X. Commanda X. C'est pas de la fuite, c'est de la retraite stratégique.
vers des positions avancées, aussi appelée la technique du lièvre. Tous les sous-marins nazis d'Europe. Tu te cacheras dans cette torpille-là. Ouais, on va se cacher dans une torpille, ouais, c'est bien. Et tu te réveilleras à bord d'un sous-marin pour le petit déjeuner. Zviel. Dès qu'on a le sous-marin, on rejoint la cachette de cette. Oh là là, faites gaffe, faites vraiment très gaffe avec ça, j'ai vraiment pas confiance, les gars. J'ai oublié. Pompon clic boom, ça je sais. Tiens-moi ce machin pendant que je le vide. Ok, Coral, Johnny. Rentre dans la torpille. Une fois à bord du. C'est quoi, c'est un nouveau gun, non? On dirait un nouveau shotgun. Vert et orange. Deux couleurs qui se marient limite, hein. Oh là là, oh la panique. Ah putain, rentrer dans une torpille. Mon gars, tu demandes à Scad s'il a envie de rentrer dans une torpille sous la mer, fermée hermétiquement. Tu vas pas avoir une réponse forcément positive. Hein. Mais moi, je suis pas forcément claustro, mais ça me plaît qu'à moitié. Hein. Je suis déjà arrivé. Et non, on est passé vite. Ah, Max Rose, toi aussi, t'es là. Non mais connard, on est pas parti. Ah, d'accord. Donc, fusil à pompe shrapnel, d'accord. Bah, c'est bien. C'est pas mal. J'aime bien l'idée. En tout cas, à la bouche, ça rend bien, en tout cas. Moi, je veux test. Ah bah, t'y vas tout seul, poteau. Hein. Je refuse. I refuse. J'ai bien, c'est vraiment le pistolet silencieux le plus silencieux de l'histoire de tout ce qui est silencieux, quoi. Ça fait vaguement un bruit de colombe qui s'envole. Moup. Ça fait un petit... Il est où l'autre? Putain, il y avait le capitaine dans le coin, là. Il y avait ohé ohé capitaine nazi. Ah bah t'es là. Chut, voilà. Chut. J'ai quasiment tout fait sans me faire repérer, tu remarqueras. Hein. Return to Castle Wolfenstein et Wolfenstein 3D, c'est canon dans l'univers des TNO ou c'est full reboot? Wolfenstein 3D est pas canon et Return to Castle Wolfenstein, je sais pas. Ouais, je sais pas non plus. On joue Blazkowicz dans Return to Castle Wolfenstein? Je sais même pas, tiens. Je sais même pas qui on joue dans Return. D'ailleurs, je crois que c'est ce que Adwi m'avait prévu de vous faire juste après Far Cry. C'est justement Return to Castle Wolfenstein. Si c'est toujours dans le plan. Oh, c'est classe, ça. Oh, c'est classe. Ok. Allez, go. Ça va, ils ont de la chance. J'aime beaucoup les missions en souterrain. En sous-marin, je veux dire. Souterrain, je m'en fous un peu. Mais les missions sur les trains et sur les sous-marins, j'aime beaucoup. Hop. En plus, il y a des grosses portes blindées. Dommage que Adou ne soit pas là. Ah si, on remarque qu'il doit être là, vu qu'il était là tout à l'heure. Oh bah. Je suis désolé, mec. C'était vraiment pas ce que je voulais faire. Ah, ça rebondit partout. C'est super marrant. Enfin, super marrant. Peut-être pas pour eux, mais... Ça va ? Je sais pas s'il y a encore quelqu'un. Aïe aïe! Scheisse! Bah oui, mais oui, mais c'est toi qui cherches ta merde aussi, hein. T'as qu'à pas être nazi. Attends. Je vais lui faire un petit coup de désintégration. Ouh! Dans la hanche, mon gars. Ah, mais je crois que je me souviens de cette mission. Bah non, c'est un sous-marin, c'est pas le train. Je crois qu'il y a une mission... Attends, c'est dans quoi la mission du train? Est-ce que c'est dans le premier ou dans le deuxième? Merde, je me souviens plus. Il y a une mission avec un train, avec pas mal de mecs en armure d'ailleurs dessus, des chiens même. C'est dans le 2? C'est marrant, il me semblait que c'était dans le 1. Thomas de Nazi Engine. Tintintintintintintin. Russia ne me laisse pas crever, il m'a ressuscité deux fois. Bonsoir. D'accord. Les lois maritimes. D'accord, monsieur. Je me rends. Le détail sur le fusil à pompe, il y a une languette qui indique la munition équipée. C'est vrai, j'ai pas vu. Attends, fais voir. Où ça? Je vois pas. Je vois pas. Bon, c'est pas grave. Refile-moi mon laser gueux vert, là. Ah, oula. Ah, vous aussi, vous avez ça, c'est marrant, hein. Exact.
Exact, j'y pensais plus. Il y a besoin de bébé, je peux survivre là. Ils me font extrêmement mal tous. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Attends, ah putain de... Ferme ta gueule. Putain, la vache, et qu'est-ce qu'ils mangent? Putain. Oh, les briques. Bon, on se concentre. On arrête de prendre le laser gueule vert qui sert apparemment à rien quand t'as pas eu, quand t'as de l'armure. Et on essaye, et on réessaye, tranquillement. On va prendre ça. Faire ça. Prendre ça. Attends, ça... Non, là, j'ai pas double fil de chasse. Bon bah c'est pas grave. Ouh. Et ma kleine clown V. Ouais mais tire dans la bouteille qu'ils ont en dos, je les vois pas leur bouteille moi. Tiens, c'est quoi, je me casse. Salut. Merde, oh là là. Tu peux recharger. Ah d'accord, t'as plus de munitions. Aïe aïe. Ouais ça pique, bah oui mais... Ouh putain ils sont encore là. Ouh. Ok, ok d'accord. C'est quoi? Ah oui, ah, on s'en fout. Ils con, ils sont vraiment cons ces nazis hein. Oula. Ah c'est ma faute, là c'est ma faute, ça c'est ma faute. 10 BV, 10 BV, 10 BV. Grenade. Encore une petite, au cas où. Tant que ça crie quand tu lances des grenades, continue à lancer des grenades. C'est ce que m'a dit mon père une fois. Juste avant de faire péter l'Empire State Building. Archlord, du don, je t'emmerde. J'ai repeint un peu. J'aime bien le principe, regarde-moi ça. En plus, c'est beau le sang de nazi. Il est un peu plus... Kartoffeln. Ok, bah écoute, on est pas mal, on a réussi à passer tranquille, en plus j'ai récupéré de la vie. Donc c'est pas mal, qu'est-ce que c'est que ça? Dis donc, ça c'est un truc qu'Adwim peut reconnaître ça. Comment ça s'appelle, Adwim? Comment ça s'appelle l'effet bleuté qu'il y a dans l'art là? C'est un principe particulier, tu m'en as parlé là, la dernière fois. Dis donc, convecteur temporel. Oh, il est long, attends, c'est un scientifique, toi. T'es un scientifique de Star Trek, toi. Il vient de t'insulter de trou du cul, si jamais. Ah, j'étais au courant, t'inquiète. Archlore, c'est un des premiers trucs que t'apprends en allemand, en fait, même sur Duolingo. Personnel de premier plan, ça veut dire moi aussi ou pas? Attends, bouge pas, hop, on va remettre ça, voilà. J'avais pas ma bonne configuration d'écran, c'est pour ça que j'étais mauvais. Ah, il y a encore des enregistrements du journal de Ramona, on est à l'entrée 11, c'est cool. On va pouvoir apprendre plein de trucs, les mecs, pendant le prochain stream exprès sur Ramona. Hop. Alors. Fusil de chasse. Je me galère tout le temps à choisir le fusil de chasse, je comprends pas pourquoi je... C'est 6? Ouais, ok. Bonsoir. Ich bin dein Intruder. On va les laisser se calmer un petit peu. Tu sais quoi, regarde. On va tirer ça au hasard, voir si ça touche des mecs. J'aime bien laisser un petit peu à la chance l'occasion de s'exprimer. Ta gueule. Ça dans ta sale gueule, mon gars. Oh là là, je l'ai arrosé. Ok. Là, je prends un petit peu, on va se calmer. Sur tout ce qui est... Ah, 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 ah. Putain, ils sortent des portes, les mecs. Ils sont littéralement dans les murs, ces nazis. Impeccable. Y a pas trop d'occasion d'utiliser l'Iron Sight, en fait, dans le jeu. C'est marrant, hein. Mais depuis le début, j'y vais un peu en free aim. Et ça pose vraiment pas beaucoup plus de soucis que ça, hein. Regarde. De toute façon, à chaque fois, on est collé au mec. Alors oui, forcément. Quoi? C'est qui? Toi? Putain, la vache, par contre, on prend les dégâts, là. Est-ce qu'on... Bah, voilà, regarde, mais je suis con aussi, moi. Il y a tout ce qu'il faut pour se protéger et tout, mais... J'ai envie d'y aller à poil, peut-être. Peut-être mon côté altruiste. Altruiste. Voilà. File-moi tout ça. Moi tout ça. Aïe, 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 ouf. Je crois qu'ils ont fait spawner un connard, en plus, en bas, là. Ouais, c'est ça. Toi, ta gueule. On va essayer de tourner un petit peu en haut, histoire de récupérer des munitions et tout. Ainsi que de la vie. Et que sais-je. Voilà, on récupère tout ça. Et ensuite on s'occupe de Bill Bob McBill. Hop, double, voilà. Voilà.
D'ailleurs, le 13, faudra qu'on parle New Colossus, il y a moyen d'avoir une discussion intéressante. Tu l'as fini, New Colossus ? Déjà ? T'as passé le calvaire, c'est bon ? Ça se fait plus les pièces qui servent uniquement à faire sortir des mobs ? Si, bien entendu. Bien entendu, les mobs closet, bien entendu que ça existe encore. Alors Momo, qu'est-ce que t'en as pensé ? Juste vite fait, on va pas quand même se couper toute discussion le 13, mais juste vite fait, en quelques mots, tiens, donne-moi trois mots-clés pour résumer Wolfenstein New Colossus. Trois mots-clés, uniquement. Séparés par des virgules, pas de majuscules. C'est quoi, j'entends encore des cris sauvages. Le bruit des bottes. Le sang impur. Je suis pas d'accord avec toi. D'accord, ok. Je vois. Eh ben écoute, on en parlera le 13. Bon boulot. Faut que je bouge le machin radio de Klaus. Le machin radio de Klaus, ah bah bravo. Oh le soldat quoi. Quand je dirais soldat, file-moi ça. Pécable. Ça coupe. Ça coupe, voilà. Enfin, j'ai failli baliser. Ah trop marrant. Trop rigolo. Oh, l'humour de papa, quoi. La dad joke. Quel fils de pute. Quel fils de pute, ce mec. Allez, on lâche tout. Un sous-marin pour madame. Madame est servie. Emballé, c'est pas ça. Madame est servie. Ouvre bien ton canal, Blazkowicz, et tes chakras. Reste très très ouvert à la pensée unique. Ah mais attends, c'est pas le début du jeu d'après, d'ailleurs, le marteau d'Eva ? Si, c'est ça. Si, c'est ça, ouais, il me semble. Les tripes qui lui manquaient au capitaine de ce foutu sous-marin, ça faut bien l'avouer. Il a emporté les clés de décryptage du canon nucléaire dans sa tombe. Il marchera pas ? Pas les ogives nucléaires, en tout cas. Et moi qui crevais d'envie de fourrer une grosse bombe atomique dans le gosier du boucher... On n'a plus qu'à trouver ses clés. On peut pas trouver de clés de décryptage nucléaire sur cette planète. Elles sont stockées sur leur base lunaire. Ah ! Ils doivent les apprendre par cœur. Voilà ! Bien évidemment... Il n'y a aucune base plus sécurisée que celle de la Lune. C'est sur cette base que les nazis mènent toutes leurs recherches. Ça veut dire quoi ? Ah, Caroline et Anya travaillent dessus au QG. Yendala, on est arrivé. Comment ? Baba yetu yetu liye, binguni yetu yetu, amina baba yetu yetu liye. Ah oui, carrément quoi. Oh, oh. Pourquoi on peut mourir? C'est quoi l'intérêt de crever là-dedans quoi? Haha, trop marrant, Fergus Red. Est-ce que je peux pas te pousser dans la porte, soit l'enculé là? Dans la porte juive? C'est fait en super béton, ça aussi, j'imagine. Cette entrée n'a pas servi depuis des siècles. Ah, tu m'étonnes. C'est la planque des Pilarmen. Awaken my masters. Allez, c'est parti. Let's go to Jewland. Waouh. Bah oui, la porte juive. Littéralement la porte juive, Todd, hein. Évidemment, dès qu'on rentre dans une base juive, il y a de l'or. Les Allemands, ça se contente du béton, mais... Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Walk like an Egyptian. Atomique ? Atomique ? Ça va où ? Faut faire tout le tour, là ? Putain, mais vas-y, ça va être long, en plus. Ils sont lents, les deux cons. Bon, moi, non, ça revient au début, ça. Je suis con. Qu'est-ce que je suis con, dis donc. Comment ça fait pour tourner tout seul? Comment leur technologie d'As-Yish-Yish, là, elle arrive à... Quoi?
décompression, vers la grande salle. Ça là ? Attendez, comment ça, attention ? Allez savoir, ces instructions datent un peu. Allons-y. Oh là là là. Je peux rentrer avec toi, moi ? Je peux me coller à toi ? Voyons. Qu'est-ce qui se passe ? Je peux rentrer moi aussi ? Je peux faire un petit tour de Splash Mountain ? Ah, yes. Ça va être à toi, Bluff. Je m'en fous, j'ai pas peur, hein. Reste pas trop longtemps, Lucien, une année juive, c'est 2 ans sur Terre et ton nez grossit à chaque minute. Une année juive, c'est 2 ans sur Terre, putain, c'est interstellar. Je m'en bats les couilles, moi j'y vais direct. L'eau, elle est pétée en plus. Laisse-moi passer. Allez. J'ai failli me chier dessus dans ton machin, il dit l'autre. Vas-y, fais péter. J'attends la révélation là. Ouais, on va activer le champ magnétique. Je t'en prie. Go. Voilà, activé. C'est bon. On peut y aller maintenant. Beaucoup de chance. Ouais, impec. Go. Je vais crever, c'est ça? Voilà. Oh. Bravo, connard. Ouais. Bah, j'ai pas trop envie de la prêter, en fait, c'est pas trop la question. Non, non, trouve un autre moyen, je prête pas mon arme laser. Je prête pas mon laser yeux vert! Non, non, tu te démerdes. Non. Prends celui de lui, là. Prends l'arme laser de Fergus, je te file pas la mienne, moi. Je peux essayer, au pire. Capitaine, donnez-moi votre laser. Non ! Combiner qui ? Tant que tu l'améliores, je m'en fous au pire, mais... ...permet de basculer le rayon laser de votre canon sur la bonne fréquence. Voilà, vous devriez pouvoir charger les bobines magnétiques. Vous les voyez ? Oui. Là-haut. Ouais, ça va. Je vais essayer okay. de préparer cette machine. Ah d'accord, ok. Faut tous les bourriner, d'accord, je vois. Bip, 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 bip. Bip, bip. Bip, bip. Je sens que je vais louper tous les escaliers, ça va être génial. Hop, hop, et merde. Attends. Attends, c'est la merde. Hop, hop. Ah mais il se coupe en plus. Attends, je galère. Attends, y'a pas un truc pour le recharger? Recharge-moi mon fusil. Recharge, comment on recharge? Comment je recharge le fusil là, c'est la merde. Merde, t'as pas une petite station nazi de recharge? Attends. Merde. Je me fais enculer. Bon, allez. Ok. Ça. Hop. Là, tu sais quoi? On va les faire un par un. Ah, mais en fait, d'accord, j'en faisais que un sur deux. En fait, c'est pour ça aussi, ça marchait pas. Faut attendre. Ah. Ah, je peux charger sur les marches, en fait. Ah non. Bah si. Bah non. Ah si, c'est bon. Hop. Voilà. Voilà, 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 il y a les trous encore que j'ai fait. Attends, j'ai pas fini encore, laisse-moi tranquille. Voilà, je peux pas monter tout en bas en même temps, haha, doser. Est-ce qu'il peut arrêter de gueuler juste 2 minutes? C'est incroyable parce que vous parlez fort, vous autres. Comment ça, vous autres? Allez, go. Ah. C'est la merde. Je me suis pété la gueule aussi à un moment. Hein. Tiens, mange. Vous autres, les scientifiques. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Je vais juste remplir mon fusil au cas où. Voilà. Au cas où on se fasse attaquer par le fantôme de BHL. Tu peux arrêter de gueuler juste 2 minutes, quoi. C'est tout ce que je demande. Shimshon. Les Shimshon. C'est quand même joli, y'a pas à chier. On va se faire écraser là. On va mourir. Quand même bien calculé, hein. C'est n'importe quoi. Je peux tout prendre? Ça fait quoi si je touche à ça? Le relou intégral. Messieurs,
Nous y sommes. Faut le faire par élimination. Prenez tout ce qui pourra vous servir. Mais n'oubliez pas. Non, faut commencer par celui-là. Ces lieux sont sacrés. Ensuite celui-là. En fait, c'est les doués mères. Ah, mais complètement. Je te remercie pour les nouvelles. Non, alors c'est celui-là. Ils sont bien chauds, des douillettes. Ensuite. Celui-là. Non. Je pense qu'il doit y avoir le schéma écrit quelque part, mais Oh, un petit robot magique juif. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ta gueule. Tu peux fermer ta gueule, 2 minutes? C'est quoi, ça? Ok. Les précurseurs de Jack and Dexter. Alors, attends, on avait dit c'était la petite vis au début. Le mec, il vole l'ordre des juifs. Mais non, je le pousse. Gentiment. Est-ce que c'est ça, après? Petit truc rigolo. Yes. Ensuite, c'est peut-être ça. Je suis suffisamment impressionné. Il les a paumés loin, ses jouets, Max. Allez, on recommence, c'est pas grave. Ça va prendre une petite demi-heure, mais c'est pas grave. Max, en fait, c'est un dieu ancien. Ça vient de là, la forme de la tête, en fait. Il est juste un peu futuriste. Ensuite, c'est ici. J'ai l'impression de revoir, en fait, les... Mes essais avec les coffres personnels de Resident Evil 2 Remake, en fait. Voilà, hop. Ensuite, hop. Et voilà. J'ai gagné le juif. J'ai gagné la Torah. Attends, parce qu'il y a plein de trésors ici, là. Comme par hasard. Qui a dit ça? Y'a rien d'autre dans le coin là? Non, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? C'est un petit un genre de Rubik's Cube, en fait. Réacteur portable? C'est-à-dire? Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Les Kraftwerk est maintenant qui recharge progressivement sa batterie sans avoir à brancher sur un générateur. Ah d'accord. Ça recharge vite ou quoi? Faut voir. Excellent. C'est bidon à moitié, non? Pas top top, hein, mais bon, écoute, c'est déjà mieux que rien. Blazkowicz, apporte cette sphère que t'as ramassée et fourre-la... Oui, bah ça va, 2 minutes, oh là là. Répondez. Les mecs, ils sont tendus, c'est bon. Une piste pour les clés de décryptage du canon nucléaire. Anya? Je suis sûr que c'est pas de l'or, c'est juste du laiton de merde. Aucune considération, quoi. Programme de super soldats, dernière génération du boucher. Il doit aller sur la lune ce soir pour superviser le lancement des nouveaux super soldats. On intercepte le train de transport de... Oh, les armures qui galèrent, mon gars. On vole son identité et on l'utilise pour mettre Blazkowicz à sa place dans la navette lunaire. Ça va un peu vite quand même. À la base, je voulais juste foutre la merde, mais là. Et comment on intercepte un train militaire à grande vitesse? Avec la tête. Ouais, d'accord, mais comment? Et bah, ce qu'on va faire, c'est que tu vas essayer d'attraper tout le wagon, le premier wagon, avec le front. Extrêmement puissant. Voyons, dans notre langue, on peut appeler ça une. Comment dire? Une couille. Métasphère. Ouais, une métasphère. Une métasphère. La vache. Je sais à quoi tu penses, Blazko. Tu rêves, il est à moi ce truc. Caroline. Ah oui, elle l'a dans le 2, Caroline. Exact. Autoroute nazie. Les trains ne devraient pas tarder à arriver au pont. Vache, elles sont clean quand même, leurs autoroutes, hein, je veux pas dire, mais. Quoi, attends? Faut me dire, hein. Je lâche tout. Oh la vache, la vitesse du train, par contre. Ah, enfin, c'est une métasphère, c'est juste un truc qui lance des câbles, quoi. Ah non. Ah non, ça broie aussi tout, d'accord. Putain, c'est marrant, je me souviens pas du tout de tout ça, quoi. En train de tout niquer. Ah oui, d'accord, je vois. Oui, d'accord, si, je me souviens de cette scène, en fait. Je me souvenais juste pas de la cinématique, mais je me souviens de la scène avec le pont pété et le train, ouais. Quatre petites poupées de tigre, une poupée de temps, tout. Allez go, tout. Oh putain. Bute-moi tous ces nazis,
J'avoue, je pensais être en train de faire un gouffre et que j'allais me viander ma grosse race. Ils ont vraiment pas de bol, les nazis. Hein. Je pensais que j'étais en train de faire un gouffre, tu vois, et que j'allais juste me viander parce que ça respectait pas le script. Mais en fait, même pas. D'accord. De toute façon, je vais tous les buter, alors t'inquiète pas, hein, c'est pas la peine de savoir quel uniforme ils portent. Hein. Ah, waouh. Plus de munitions. Pas grave, tant pis. Il y aura pas des petites boîtes de munitions par contre quelque part là, parce que c'est vrai qu'elles partent vite quand même. Les munitions, hein. On se rend pas compte. Hein. Mal foutu, hein. C'est le jeu qui est mal équilibré, j'ai l'impression. Attends, il y avait des munitions vite fait là tout de suite, non? Au moins c'est stylé. De quoi donc qui est stylé C'était stylé. Ah d'accord, oui. Oui, c'est mon côté, comment on dit lance-roquette. T'es sûr que t'as envie de me donner un lance-roquette sur un fusil d'assaut, mec? Y'a un truc qui a pété au niveau de ma tête, non? J'ai l'impression. Soldat lance-roquette? Mais je l'ai pas vu, il est où ce con? C'est... Ouais, je suis pas fou, y'a bien quelque chose qui m'a pété au niveau du visage. Enfin, comme les Brésils... Ah! Les champs... Ah, j'ai gagné. Ok, donc maintenant, j'ai un lance-roquette. Ok, bah ça me va. Qui c'est qui tire? C'est qui? Ah, c'est toi, d'accord, ok, je vois. Bonsoir. Faut arrêter avec la brésilienne et le gâteau. Quoi? T'aimes pas les gâteaux? Et t'aimes pas le pays de la Zumba, Rio de Janeiro. Con la peta del gâteau. Aucune idée, j'ai jamais fait de portugais là. Mais c'est bon, t'inquiète, ouais, la métasphère. La métasphère. Je rigolerai jamais pas au terme métasphère. C'est tellement le terme genre pseudo-scientifique qu'ils adorent utiliser dans les films genre Star Trek. Hop. Jamais scier la branche sur laquelle on se trouve. À part si c'est les branches nazies. Attends. Excuse-moi de te décevoir, Blazkowicz. Si tes pieds étaient pas couverts de beurre doux, ça arriverait pas, quoi. Ça, ça l'enculé. C'est con comme mort. Dirige-toi vers le wagon du Nautica qui part dans le vide. Je vais te déposer pas loin. En lieu sûr. Marrant comme comme coin, il pleut de nazis, dis donc. William, it's raining Nazis. Hop, ça c'est fait. Mon petit lance-roquette. C'est comme ça qu'ils apprennent aux enfants soldats en Afrique centrale. Eh oui, on n'en parle plus. On n'en parle plus, les enfants soldats. Parce que ça n'intéresse plus personne, les enfants soldats, maintenant. On a oublié tout ce qui est Connie, etc. là. Maintenant, les enfants soldats, bon, bah tant pis, quoi. D'accord, c'est ça qui s'est passé, en fait. Hop. Faut une petite, à lui aussi, préemptivement. Ouh, là, il est pas fini, dis donc. Il y a eu combat de roquettes, là. Si on en parle plus, c'est que ça existe plus. Ouais, c'est ça. On en parle plus, enfants soldats, du coup, ça doit aller, tu vois. En Afrique, tout le monde va bien, en Afrique. Il y a du soleil. Alors que nous, on se tape un temps pourri depuis le mois de juillet, là. Oh là là. C'est quand même sympa, tout ce qui est Europe, tout ça. Les membres de la coalition saoudie et au Yémen ont été flag avec des enfants soldats, genre aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui, il y a 10 minutes même. Bah, évidemment, mais personne ne leur dit rien à ces mecs-là. Je suis pas paumé, hein. Je suis pas paumé, je suis juste momentanément... Ça va, les gars? C'est moi ou il galère, là? Attends. Dis donc, attends. Eh, les mecs? Vous en avez peut-être? Attends, je vais aller les voir. Oh les cons. Oh les cons. Ah mais du coup merde, j'ai oublié plein de trucs moi sur ce wagon là. Non? Je crois que je peux retourner dessus. Vous pensez que je peux retourner dessus là? Genre si je saute bien. C'est chaud un peu, non? Y'a pas un moyen, genre si je saute là, si je saute là, non? J'ai l'impression que vous croyez pas en moi. Mais si... Attends.
Il y a pas un autre passage. Je suis sûr que je peux passer de l'autre côté. Regarde. On prend juste bien de l'élan. Regarde, on va passer jusque là. On prend juste bien de l'élan et. C'est con. Comme... Je sais pas pourquoi, Blazkowicz glisse des pieds. Attends, du coup, je vais pouvoir les niquer maintenant, regarde. Regarde. Bip. Ah. D'accord. Ok. Oula, waouh. Et qu'est-ce que vous foutez là, vous? C'est la guerre. Enfin oui, du coup, mais enfin, ta gueule. Vous m'intéressez plus. Je vais reprendre le fusil de chasse. D'ailleurs, c'est marrant qu'on n'ait pas le droit à l'autre fusil de chasse, là, le super shotgun, entre guillemets. Et qu'on a le droit que à celui-là, genre on peut pas switch. C'est un peu décevant. Après bon, il est pas aussi top tier que celui-là, mais justement c'est dommage. Ils auraient dû vraiment faire un super shotgun avec masse de dégâts, tu vois. Où est-ce que je vais là? Où est-ce que je suis en fait? Donde des soy. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino. Mais attends, je vais vers l'avant ou vers l'arrière là? Qu'est-ce que c'est que ces patacouecs? Attends. Où est-ce que je suis? Je suis complètement paumé, les mecs. Mais vraiment, genre vraiment complètement paumé de ouf. Ah, une mouette. Oh, je peux passer par là? Ouais, je peux passer par là. Attends, là, c'est juste un... Oh, il y a un mec qui galère encore. Ils sont cons, ces nazis. Tiens. Ah. Allez, go, ok. Suis la métasphère, Néo. What if I told you? Ok. Oula, idée, bon papa, 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 si mon papa, tada. Mais je sais que tu es en moi. Pieds nus. Au. Oh la vache, ok, attends. On sort le fusil, ça. On prend ça. Bip. Voilà, là on est tranquille. Maintenant on s'occupe de lui là-bas. Hop, petite roquette dans la gueule. À vous aussi, petite roquette dans la gueule. À tout le monde, à tous mes amis, comme chantait Dave Mustaine. J'arrive pas à lancer le truc devant moi, ça, c'est bloqué par le banc. Hop. Putain, mais ça explose pas loin, elle pisse pas loin leur roquette là. Hein. Putain, je suis en train de me prendre tellement de dégâts. C'est une castafiore. Attends, est-ce que je peux lancer une petite... Je vous aime, je dois partir à toi aussi demain. Bip. Ah, loupé. Bip. Voilà. Voilà. C'est bon? On est bon ou pas là? C'est une tête qui dépasse ça ou pas? Ou c'est un faux? Comme dans. Comment ça s'appelle? Ah oui, putain, il y en a encore plein. Pip! Pip! Putain, je galère. Ce banc blindé me casse les couilles en fait. Ok. Stalingrad. Respire, Nicolas. C'est pas grave, Nicolas, c'est qu'un jeu vidéo, Nicolas. T'as un sniper si tu veux. Non, j'ai pas sniper. En plus, alors arrête de mentir, Momo. C'est pas la peine, hein. Ça met tout le monde à cran, c'est tout ce que ça fait, ça, hein. Oui, je sais que tu es en moi. C'est mon... Pourquoi j'ai ça en tête, maintenant? J'espère qu'il va pas être juste là, ce serait con. Ok, c'est là-bas que je dois aller. Je l'entends marcher, hein. Ce n'est pas pour me ragaillardir. Ah, il est juste là. Je l'ai vu, là, regarde. Coucou. Chut. Il m'a pas vu. Pour lui, je n'existe pas. Il va certainement pas... Ah. Ça veut dire quoi, ça, en allemand? Quelqu'un fait l'allemand? Ah, putain, merde, ça veut dire qu'ils m'ont trouvé. Ok. Tu l'as plus... Non. Le jeu, chaque niveau commence avec une arme prédestinée. Et là, j'ai pas commencé avec le sniper, du coup, bah, je l'ai dans le cul, tout simplement. Hein. Et en fait, ils te donnent les armes uniquement quand ils ont un peu envie. Mais le level design de ce niveau-là, il est vraiment pas mal. Genre, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'endroits différents où on peut aller et explorer. C'est vraiment pas mal. Hop, prends ça dans ta gueule. Et merde, évidemment. Bon, c'est pas grave, je vais aller sur le toit. Ça veut dire qu'ils ont trouvé la position. Voilà, le wagon du London. Le wagon du London. En cul. Attends, j'ai envie de le niquer lui parce qu'il m'énerve. Putain d'astronome nazi.
célèbre maraîcher xénophobe. Ça mêle à rien ce que je fais, mais ça détend. Bon, c'est de la merde. C'est quoi ça là-bas? Du soin? Allez, go, go. Ah, non, merde, c'est des roquettes. Oh, le con. Oh, une petite statue d'Hitler. Non, c'est un petit soldat en or, fais voir. Ah, il est marrant. Par où voy? Donne des voy. Là, ça passe pas. Non, ça passe pas. Merde. Faut que je retourne sur le toit, c'est ça? J'arrive pas. Ah, si, il y a une petite échelle, ok. Il est pas agile, le poteau, hein. C'est, comme il a un corps en brique, alors forcément. Par contre, il va vraiment me saouler, là, non? Quand j'y réfléchis. Attends, comment on fait? 4. C'est... Voilà. Lui, je suis balancé quelques roquettes à la gueule. On verra s'il fait encore du Erika. On verra s'il chante encore Erika après. Ah, c'est bon. Bon, ça va. Il a pas chanté Erika pendant trop longtemps. C'était pas excessif, donc ça va. Ça va? Putain, ça... Ah, merde. Oh, c'est con, il avait un casque super stylé. Ça va? C'est moi, j'ai récupéré son chapeau. Attends, il y a une autre... Voilà, il y a un autre bout là. Oh! Ah, le voilà, son masque. Oh, c'est super classe. C'est super classe. Allez, on continue. On arrête les conneries 2 minutes, là. Voilà, par ici. Et ensuite, il faut sauter en face, on m'a dit. Sauter en face, mais où? Par rapport à quoi? Par rapport à ça, d'accord. Ouais, mais fallait le dire. Là, si mon papa tara, il va faire la gueule, hein. Attends. Je suis bloqué. Voilà. Encore des roquettes en plus. Ça, c'est bon, ça. Attends. Oh, il y a encore un truc d'amélioration. Je suis assez curieux de voir toutes les améliorations du laser gueuler, en fait. Je sais pas pourquoi, parce qu'on l'utilise quasiment pas au combat. Lunettes de visée. Eh bah. Super. Ah bah oui, et en plus elle est vraiment bien marquée cette lunette nazie là. Ah bah voilà le fusil à lunettes. Ok. Bah c'est pour vous qui cherche la merde, non? Coucher, ouais, c'est ça, coucher. Il est bien ce laser gueuler finalement, je vais le garder. Aïe, je m'ai fait mal. Putain, y'a des débris, de la fumée et des nazis partout. On se croirait à l'obscène extrême. Hop, attends, bouge pas. Ah là, merde, voilà. Voilà, j'ai dit ah ouh. Ok. Un petit pipou en moins. Ah oui, là, il a mangé pour les autres aussi, hein. Hop. Attends, par là. C'est la merde ce train là, c'est pas possible, vous pouvez pas ranger 2 minutes. Hop, par là, hop, oula, j'ai failli mourir. Eh bah ben, écoute, par là. Par contre, qui c'est qui crie? Exact. C'est quoi ça? Ah, oh, il y a des trucs partout, c'est super chelou. Comment ça marche Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est bien mieux que ce que je pensais en fait. Eh bah ben, écoute, on va le garder de côté ça, parce que c'est vraiment pas mal du tout en fait, en vérité. C'est quoi ce bruit? Quelque chose qui est en train de sortir d'un train, non? Bon, c'est pas grave, ça m'intéresse pas. Donne-moi ça, voilà. On va retourner se cacher, et puis on va refaire pareil, regarde, on peut les cheeser entièrement comme ça. Ah, ils sont en train de me retirer mon mur. Bonsoir. Bip. Avec lui, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée. On va le faire péter au sniper. Vraiment qu'il est con, hein. Voyons, il est en quoi, lui? Attends, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Attends, je vais lancer des roquettes à la gueule, on verra bien si ça fait quelque chose, mais... Ah bah voilà, je me disais aussi. Alors on y va. Tant que lui est mort, c'est plutôt bonne nouvelle. Je vais juste récupérer, voilà, ça. Ça, c'est bien, ça. Ça, j'aime bien, ça. J'aime beaucoup le bruit que fait cette mitrailleuse, en fait. Tout. Je trouve que c'est un bruit un peu sourd, vachement agréable. Pourquoi il... Enlève-le, voilà. On va lui faire un petit bip, regarde, lui, là. Il va mourir très calmement, regarde. Bip. Je l'ai eu, non?
J'ai l'impression que je l'ai eu. Bon, on verra bien. On verra bien, ça nous fera la petite surprise. Je sais pas trop où je tire, mais ça me tire dessus, du coup j'aime pas. Ouh, un lapin en or. Un pinou, oula. Toi ta gueule, oula, lui il est pas mort, sa belle mort lui. Hop, vous, vos gueules. Merde. Attends. Ça. Ah non, ça toujours pas. Ça. Oh là 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 là. Il commence à être bien le fusil là. Pourquoi tu as tiré dans le tibia par contre, je peux savoir? Il est où? Ah là. Il a fait ah. Tiens. On a eu une petite suée là, je vais admettre. Ok. Doucement, doucement, on va commencer à progresser un petit peu. Parce que de près, leur nombre ne compte plus. Oui bah attends, parce que là il y a quand même du boulot. Oulo. Va voir. Si je vais arriver à lui. Il est même pas sauté dans le bon sens, je comprends même pas. Oulala. Là là. Ouh c'est la merde, oui Shaïse, bah là ouais carrément ouais. Bah alors on Funeral aussi les... Bah alors. Bah Dédé. Qu'est-ce que vous foutez là? Vous pouvez laisser ma bagnole tranquille. Ah, bonsoir. Oh la vache. Ouh, j'aime bien ce fusil de chasse quand même. Y'a pas à chier, il est agréable hein. Ta gueule. Si vous pouvez arrêter de gueuler deux minutes. C'est agressif l'allemand quand même hein. Aïe 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 aïe. Non c'est du brûlage qui m'a eu ou c'est quelqu'un? Non c'est quelqu'un, ah c'est lui. Ah. Putain y'a encore toi. Oh là là il va me saouler lui. Oh là il va me saouler. Où va y avoir du soulage là? Toi t'es toujours pas mort en plus. Voilà. Oh là là je prends cher à moitié là non? Oh là là. Ah bah merde. Mais dis donc. C'est que c'est le bordel un peu, mais en fait c'est moi là, je suis en train de me laisser déborder en fait quelque part. Quand la prof d'allemand nous engueulait, personne ne mouffetait. Faut qu'il fasse gaffe, hein, elle peut se retrouver à la haie très, très, très vite. Hein. Quand tu sais pas... Oh le bordel. Ah mais il galère en fait lui. Ah. Bah il est où? Ah mais ils disparaissent, ils sont cons ce nazi là. Mange, voilà. C'est quoi, on va utiliser le sniper à bon escient pour voir. Donc déjà pas comme ça. Est-ce que tu peux arrêter de bouger espèce de ça enculé là? Bon finalement c'est utilisé exactement pareil que tout à l'heure. Donc Ah. Ah mais c'est un qui sort en fait. Loupé. C'est la merde ce que je fais. Oh là, c'est vraiment la merde ce que je fais. En placement, je suis nul, c'est dingue. Enfin, au reste du jeu non plus, je suis pas ouf, ouf, mais bon. Non, qu'est-ce qui se passe? Ok. Eux là-bas. Eux là-là. Ok. En placement boursier, t'es une tanche. Mais ça, j'ai jamais rien compris à la bourse, moi, de toute façon, alors... Je comprends pas comment les gens ils arrivent à se faire de l'argent avec. Enfin, juste en disant tiens, là-bas, vas-y, paye pour ça et me donne ça. J'ai jamais compris le principe. Pourtant, j'ai vu le loot Wall Street au moins 3 fois, hein. Mais. Ça a vraiment rien du tout amélioré, quoi. En plus, je comprends pas. Ça doit être trop abstrait, en fait, pour des pigus comme nous. Je suis en train de m'en prendre plein la gueule. Ah, mais c'est eux qui m'emmerdent! Attends. Remets le... Ah non, j'ai plus de lance-roquette, merde. Attends. Parce que là, c'est la grosse de mer. Qu'est-ce que je pourrais avoir... Ah, ça. Ah non, ça fait rien, ça. Fuck. C'est pas grave. Dadrup, biblib. Bah oui, mais écoute, mec. Faut laisser les poteaux d'Adrup aussi, hein. Ah putain, ça, c'est un lance-roquette en plus. Oh là là. Ok. Fusil de chasse. Ouais. Exact. On le bourrine un peu. Oh là là. C'est quoi qui me tire dessus là? C'est qui ça? Ah c'est juste un mec qui a une tourelle en fait, j'ai l'impression ça, non? Ah oui, c'était juste un mec qui a une tourelle en fait. L'autre il me tire dessus à travers la fumée, sans trop de soucis. Sans trop se soucier du candiraton. C'est simple la bourse. Attends, deux secondes. Attends, parce que là j'ai pas le temps de suivre une petite leçon d'économie.
Putain, j'arrive pas à le buter, ce connard. J'arrive pas à le buter. C'est la grosse merde. En plus, là, je me prends des dégâts sans savoir trop d'où ça vient. Je vais essayer de foncer, mais là, je vais tout me manger dans le cul. 8 PV, 8 PV. Franchement. Recule. 4 PV, 4 PV, on est bien. Oh, merde. Attends, quoi? Le PDG fait un pet dans son bain et tout le monde s'excite. Ah, mais d'accord, bah c'est simple, en fait. On peut faire des parts de marché LMF. Je fais que ça, moi. Je suis pareil, pourtant je surveille mes fluctuations, surtout celles dans mes chiottes. Bravo! Bravo, funéral! Oh, attends, ceux-là, on va les finir comme ça en fait. Ils ont du mal à crever, les nazis, quelque part. Hein. Pour ça, faut les aider. Ça leur rend service. 2, ça suffit? 2 roquettes suffisent pour les gros? Ok, je note. Ça, c'est bien à noter. Ça, c'est les informations qui sont importantes. Toi ta gueule. Toi ta gueule. Voilà, on va essayer de procéder intelligemment. Voilà. Ok. Bon déjà, ça a fait un peu le ménage. Ça, je sais pas ce que ça a fait, mais j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont morts quand même. On va fouiller un petit peu ce qu'on a là. Qui c'est qui me tirait des roquettes là? En fait, le problème, c'est que je vois pas très bien ce qui se passe là à l'écran. J'avoue, je galère. Les mecs, ils sont tous planqués. Ils tirent très très fort. Et du coup, j'ai du mal. J'ai plus de munitions. D'accord. Je vois l'ambiance. Oh là là. Oh là 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 là. Ah, c'est la merde, hein. Ouais, bah, ouais, fais gaffe. Attention, hein. Attention, Snake. Il a un pistolet. Attends. Si je vais par là, ça fait quoi? Putain, en fait, ils me tirent en plus tous à travers les très beaux effets de fumée volumétrique. C'est magnifique, hein, bravo les gars, hein, mais tactiquement, ça mène à rien. Hein. Roquette. Bim. Ok, une, ça a suffi, c'est pas mal. Lui, là. Il est mort aussi. Je peux pas faire de quick save, mais si je pouvais, j'en ferais. Hop, fermez tous vos gueules. L'autre, il a fait une petite... Oula, il a dit au revoir à tout le monde, à tous mes amis. Oula vache, ok, c'est même pas fini. Il est où? Je sais pas sur quoi je tire. Là. Une dernière, il me reste une dernière. Je l'ai eu? Je l'ai pas eu, ça l'a même pas eu fini. Ça l'a même pas fini. Ok, c'est bon, il restait plus rien. On se concentre, on laisse pas tomber la pression. Eh bah écoute, ça m'a l'air pas mal. Non? Ouais non mais funéral, il fait son fifou là. Genre il est con, il connaît rien, mais dès qu'il s'agit de parler d'histoire de l'art et de château fort, etc., il est là, donc Hop, merde. Ah c'est con ce que je fais en fait. C'est con ce que je fais, c'est très con ce que je fais. Bah oui, mais t'es mort, Lucian. Il va falloir tout recommencer là. Est-ce qu'il va falloir tout recommencer là? Est-ce qu'il va falloir tout recommencer? J'ai l'impression que ça va... Ah là, tiens. J'ai l'impression qu'il va falloir tout recommencer. Ah non! Ça m'a même fait dépop un mob, dis donc. Eh bah ils sont très très sympas. C'est con là. C'est impeccable. Et bah voilà, bah, tranquille. On va juste monter voir Scarrow. Parce qu'on est des garçons curieux. Garçons curieux, garçons heureux. J'ai vu un mec là, non? Je suis fou ou pas? Bah apparemment, oui. Ah bah non. Je sais pas comment il a fait pour prendre la première cartouche sans broncher le mec, mais... Ah, l'autre il a fait sans... Lui il est sans main d'être mort. Hein. Impeccable. Les fusils de chasse quand même de Wolfenstein mériteraient un peu plus de puissance. Peut-être qu'avec les autres pellets là, peut-être que ça marcherait un peu mieux. Je sais pas. Mais j'ai l'impression des fois que ça fait juste un petit poum et c'est pas assez, tu vois. Moi mes fusils de chasse, je les aime, tu vois. Ah ça, nice, ça c'est bien ça. Yes, ça c'est bien ça. Yes. Je suis jamais assez approché pour savoir non plus. Ouais mais ils sont auto. Mais oui mais ils sont, tu veux dire ils sont auto. Auto von Richthofen. Oui ils sont automatiques, ouais. Mais bon, est-ce qu'il vaut mieux un fusil de chasse automatique ou un
très très puissant fusil à deux coups à l'ancienne. Ça, c'est une question que je te pose aujourd'hui, ce soir, cette nuit même. Et c'est une question importante. Auto shotgun. Mec, arrête. Hey. Pourquoi tu cries? Qu'est-ce que c'est? Wow! Ah ah! J'ai désormais une tourelle! Merde! Oh putain, le reou. C'est ta théorie. Non, mais c'est pas pareil. Ma théorie, c'est. Je parle du nombre de munitions. Pas de la façon dont elles sont utilisées. Je dis que le nombre de munitions fait en sorte de gagner ou pas. Pas forcément l'output. Plus de balles égale mieux. Oui, mais non! C'est pas ça que je dis. Parce que si t'as plus de balles que... Si ton fusil de chasse a deux coups avec canon juxtaposé ou superposé ou etc. a plus de cartouches que ton fusil de chasse automatique, voilà. Là, tu choisis le fusil de chasse manuel, bien entendu. Je parle uniquement d'un point de vue finalement mathématique. Plus t'as de balles, plus tu gagnes, tout simplement. C'est chiant. Oula. Tu sais ce qu'on va faire? C'est que déjà on va se calmer. Et on va mettre. D'un point de vue stockage. Oui, c'est ça en fait. C'est le point de vue stockage qui compte. Si t'as 1 milliard de balles de 9 mm, ça vaut mieux que 100 000 balles de C62. C'est ça que je pense, moi. Il est mort? Il est mort. Il est mort, le soleil. Salut, Netovich. Ça, mec, enfin Naito tout court. Je sais que t'aimes bien qu'on t'appelle Naito, mais faut que j'y pense. Hop, toi tu vas fermer ta grosse gueule, oh, pour toujours. Voilà. Ça c'est bien. Alors là on va tout fouiller, mais comme des sagouines. Et c'est pas une insulte homosexuelle, homophobe ou je sais pas quoi. Hein. C'est juste un. comme on dit, c'est de la conjugaison, hein, c'est tout. On va se recharger. Ah bah c'est bon. Ça aussi, on va le vider. Tranquillou bilou. C'est dégueulasse qu'ils ont dans leur caisse, mine de rien, non? Il n'y a vraiment aucun soin apporté à tout ce qui est... Pourquoi tu te justifies? Au cas où il y ait BuzzFeed... au cas où il y ait BuzzFeed qui regarde et qui est en train de se dire « Ah non, ça jamais !» T'as un truc à te reprocher. Ah non, à me reprocher, non, mais... Faudrait quand même pas que les gens sachent que je suis homophobe, quand même. Je veux dire, s'imagine Voilà, tac, ça c'est bon. Il y en a d'autres là, putain, il y a plein de trucs ici, c'est cool. Mon couteau par contre. Attends, j'ai fait une connerie. Mon couteau, voilà. Voilà. Il y a rien. Bon, c'est bon, je crois que j'ai fini. En vrai, s'ils nous font de la pub, c'est cool. AR-15 égale M416. Qu'est-ce que ça peut foutre? De quoi tu parles? J'entends un truc qui fait clink-clonk. C'est jamais bon signe. C'est un bruit de méca, ça, on est d'accord? Oula. C'est mis en jaune. Qu'est-ce que j'entends, là? C'est juste les machines, là, ou... Bonne nuit, Zouzou. Merci de passer, mec. Je sais pas si c'est les machines ou pas, en fait, et j'ai pas confiance trop en l'avenir. Elles sont pas très folles, ces munitions, en fait, là. Et bon, c'est pas grave, parce que vu qu'elles sont pas fofolles et qu'on s'en bat les couilles, on peut les spammer. Ouh là là, ouh, il a pris cher dans tous les sens du terme. Si le tranchage de jambes avait pas fini, bah il va se manger une chute de 120 mètres dans le cul. Et ça, en général, ça finit mal. Comme les histoires d'amour. En général. Allez, Russiane, bah ça va. Laisse-moi tranquille, et ouais, je me concentre, je fais au maximum, là. Hein. Ah, là, truc caché. Oh non, arrête. Das nicht, da. Monte. Ouh. Non. Ouais, mais t'es un gros fils de pute, toi, dans le métier. C'était vraiment le plan le plus facile, ça. Ah, mais attends, il y avait des denrées périssables. Allez, montez-moi, Blasco. Je vais te monter.
Je sais pas ce qu'il fait, mais il va super vite dans l'intérieur. Là, il, en plus, il réagit vraiment plus du tout, quoi. Et toi? Ouais, toi, il te manque un bout de la gueule, ok. Go. C'est con. J'en ai marre de ce niveau de merde. J'en ai vraiment marre de ce niveau de merde, là. Il est en train de me... Il est en train de peser vraiment sur tout ce qui est, ce qui présente, ce qui, tout ce que je suis, quoi, vraiment. Et il est là encore, lui, hein. Et en plus, il a deux jambes. Mais putain! J'en ai raqué! J'ai envie de claquer! Je vais me buter, putain! Je vais me buter! Mais regarde, c'est tout con de tuer un allié, en fait. Tu fais juste un truc super intéressant à côté d'un vide mortel. Regarde-le, on dirait qu'il fait la danse irlandaise. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Attends. Oh, le freestyler! Oh, ce freestyler! Bon, on va où? Tu sais, j'en ai vu des andouilles dans ma carrière. Des morveux avec plus d'assurance que de bon sens. C'est pas les cinglés qui manquent. Mais on va où là? Mais jamais rien derrière. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? C'est ça que j'aime chez toi, Blasco. T'es le plus taré de tous. Qu'est-ce qui se passe là? Et t'as pas peur de nous le prouver. Toi, t'es né pour buter les nazis. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait là, exactement? Allez Blasco, au boulot, descends. Non, je veux pas descendre maintenant déjà, on va rester là quelques minutes. Et est-ce que c'était pas plus simple en fait, quelque part, de... Oula, d'accord. De venir ici directement plutôt que je me tape littéralement tout le pont tout seul. Vu qu'apparemment on pouvait sans trop de problèmes. Non? Je sais pas, hein. Je suis pas... Je me considère pas comme un dieu de la guerre. Non, on n'est pas venu péter un pont, on est venu récupérer un truc dans un train qui est pété en fait. Ça va, Ferguson? Ah, je suis désolé. Hop, excuse-moi. Attends, faut que je le finisse proprement lui. Crève, je t'en supplie, crève, voilà. Ok, ça c'est bon. Lui, petite grenade dans le cul, ok. Parce que là, j'ai pas beaucoup de vie en fait, hein, quelque part quand je regarde. Toi ta gueule. Y'a beaucoup de monde sur ce pont, putain, vous étiez combien? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors c'est marrant, y a plein de nazis qui ont survécu hein, au crash du pont. Par contre, les civils, y'en a aucun. Hein. Tiens, petite grenade en rab. C'est bon? Ah bah oui, c'est bon. Pécab. Et s'ils avaient utilisé les ailes pour emmener l'anneau au Mordor, ah, ne parle pas de ça, tu sais que ça finit mal, Neil. Hein. Fais gaffe, hein. Ah c'est ça, caresse ton fusil de chasse. On peut monter là? On peut pas, d'accord. Et on peut aller là-bas pour voir? C'est quoi ça? T'as une casque? Merde, Blasco. Le wagon du Nautica est juste en dessous. Tu peux te détendre 2 minutes? Vous me cassez tous les couilles, hein. Vous faites un level design, c'est pour qu'on le remarque quand même, non? Tesla Funken. Ça c'est le funk de Tesla, ça s'appelle. Ah, nice. Bip, 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 bip. Les câbles. Ouh! Amélioration de santé. Ah, c'est vrai! Que pas tout, c'est pas que du cosmétique ou des trucs comme ça, c'est aussi des grosses améliorations de santé que tu peux trouver là-dedans. Bip, allez, glissade, et on passe dedans. Oh, ça c'était trop classe. C'était beaucoup trop classe. Tellement classe que je pensais que j'allais louper en fait. En plus, dans un train, on est immortel alors, c'est bon. Y'a tout qui est en train de péter en même temps, c'est assez rigolo. Il est là le train, c'est ça? Et hop! Écoute, moi je prends. J'ai les papiers. Et maintenant? Non, en fait, c'est pas que j'ai eu du cul, c'est que c'est littéralement ça qu'il faut faire en fait. Faut sauter sur le nazi qui est au bout et tu l'éclates en fait. Heureusement qu'il a une tête de nazi, mine de rien, Blazkowicz. Hein. Ton équipement dans la zone des bagages.
Ensuite, tu pourras partir à la recherche des clés de décryptage. Ah bah si, il a une gueule de nazi quand même. Attends, blond aux yeux bleus avec la mâchoire carrée, attends. De toute façon, je pense que je vais arrêter là parce que là, on va arriver quand même sur un une grosse partie du jeu, du coup, assez importante. Et je pense que c'est bien si on termine là. Je vais vous faire, je pense, une ou deux runs de Enter the Gungeon. Pour l'instant, on va s'arrêter là. J'aime beaucoup ce jeu. Il y a eu quelques phases chiantes là pendant quelques minutes, mais finalement, il est tellement pas chiant autant que je m'en souviens, et surtout pas autant que le deuxième. Même si Momo, il est pas d'accord avec moi, mais il a tort. Mais il s'en rendra compte. Momo se rendra compte qu'il a tort de toute façon plus tard. Je reviens dans quelques minutes, les gars, quelques secondes même, le temps de chercher à boire et de lancer le jeu. Et puis voilà. Allez, à tout de suite, les gars.